Ah bah Hager, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau live sur Twitch, un nouveau live également sur TikTok. En tout cas, un nouveau live sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, avec pour objectif ce soir, on va se faire, comme d'hab, un petit peu d'exploration pour commencer. On va fouiner les souterrains, on va voir un peu ce qui s'y cache, on va essayer de faire pas mal voilà, de craft, on va essayer de trouver pas mal d'items, hein. On va vraiment explorer, on va essayer aussi d'aller choper des Korogus, évidemment, on va essayer d'aller un peu plus vite qu'il y a 2 jours, hein, parce qu'on avait quand même passé 1 heure à pêcher un Korogu, enfin je dis ça, je dis rien, donc j'espère qu'on sera un peu plus rapide. Et puis pour la fin de live, Inch'Allah, on va avancer dans l'histoire principale, j'ai envie d'avancer d'un petit créneau, parce que bah, vous le savez, on se rapproche de la fin du jeu, et bah, j'ai pas envie que l'histoire se termine, mais il y a un moment, bah, il n'y a pas le choix, Clarisse, hein, faut y aller les gars, donc bah, il se peut qu'à la dernière heure, allez, peut-être les 2 dernières heures, on parte sur de la trame principale, mais vraiment, les 2 premières heures, on sera vraiment sur de l'exploration, très chill, Korogu, sanctuaire, voilà, souterrain, et qu'on passe un bon moment. Comme d'habitude, j'espère que ça va vous de votre côté, j'espère que ça va TikTok, merci infiniment de votre soutien. Concernant le live d'hier, vous avez été extrêmement nombreux sur Professeur Layton, j'ai reçu une tonne de messages privés, j'ai été vraiment matrixé de messages privés, merci infiniment, j'ai essayé d'en répondre à quelques-uns, je suis très content que Professeur Layton ça vous ait plu à ce point, donc merci infiniment, et merci Twitch évidemment. Comment ça va Emily, comment ça va Cricri, comment ça va Eurekai, Pingu, Estelle, comment ça va Rares, vous allez bien, comment ça va Loluf, comment ça va tout le monde? C'est bon, j'ai dit tout le monde. Kazu, Alexis, est-ce que j'en ai oublié d'autres? Gwen, Cricri, c'est beau. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va bien. Nickel. Merci bien. Et comment ça va TikTok? Comment ça va Valentin? Comment ça va Hi? Comment ça va Solune, Jess, Pingu également? Ça va bien? Bah, attends, je fais chacun son tour, Solune, voyons. Et moi, il a pas cité mon pseudo. Qu'est-ce que je vais faire? Il a pas cité mon pseudo, Flavien. Ça va bien, mes chékous? J'ai fini tous les sanctuaires. Oh, super, bravo! Nickel! Bon, moi, j'en suis loin. J'en suis loin encore, hein, mais bon, un jour, Inch'Allah, tant mieux. Moi, j'ai pas envie de tout finir maintenant, hein, il faut que mes lives durent le plus longtemps possible. Donc, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Ça va bien, Lisa? Ça va bien, Mam? Ça va? Oui, Kiona, vas-tu bien? Bah écoute, moi, ça va très bien. Ça va nickel. Quand on est sur du Zelda, voilà quoi. Hier, c'était incroyable, le live sur Professeur Layton. J'ai adoré cette interaction que j'ai eue avec vous. Vous étiez trop nombreux. Il y avait trop une good vibes. On s'est bien amusé. Donc, rendez-vous tous les mercredis. Hein. Petit rappel pour du Professeur Layton. Et là, aujourd'hui, Tears of the Kingdom. Ok? Combien d'incorrect hier? Bah, pas tant que ça, au final. Et oh, sans mentir, on a plutôt bien géré. Hein. Hier, on a fait une vingtaine d'énigmes, et ben on a plutôt bien géré. Je suis plutôt fier de moi. Ça va Nolan? Ça va Queen? Vas-tu bien? Altesse? Stylé le t-shirt. Oh merci, ça vient de chez... Célio, je crois. Ce petit truc Pikachu, regarde. T'as aussi Pikachu là, derrière. Ouais, ça vient de chez Célio. Il est sympa, il est rigolo. À toutes, bon app. Ah ouais, moi j'en suis loin. J'en suis très très loin des sanctuaires là. Ouais, hier c'était génial, hein. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Franchement, trop cool, c'était trop bien. Ouais, ça va, Queen. Bah écoute, nickel. Petite exploration, soirée exploration. J'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'était une journée light en contenu pour moi, en création de contenu. J'ai fait plein de trucs à côté, j'en ai profité. Je me suis un peu reposé. Et j'ai traité pas mal de mails. Demain, vous avez vu, demain, on va faire un petit jeu sympatoche. Hein. On va jouer à merde, attendez. Raincode, j'ai oublié son nom. Raincode, grâce à Nintendo France. Demain, à partir de 14h jusqu'à 16h, on va jouer à Master Detective Archive Raincode. Voilà. On va jouer à ça demain. On va se faire les 2 premières heures. Histoire de découvrir, voir si c'est bien ou pas, histoire si ça va nous plaire, j'espère. Bon, je pense, hein. Je pense que ça va nous plaire, mais bon, en tout cas, découverte de 14h à 16h.
Voilà, et puis le replay sera dispo sur la chaîne secondaire comme d'hab. Oui, trop bien. Il y a Manu qui m'a offert un sub. Je sais pas s'il est là, mais merci beaucoup. Eh ben écoute, il est là, je crois, dans la salle. Hein, ça fait plaisir. Ce soir, c'est Tears of the Kingdom. On va jouer à Tears of the Kingdom. Tu as oublié le nom du jeu, et bien l'éditeur a oublié d'en parler. Bah, ouais. La com, ça a du mal, mais attends, mais le titre du jeu aussi, faut retenir. Hein. Voilà, bah Manu est là, regarde, tu peux lui dire merci, Nolan. Ouais, Tears of the Kingdom ce soir. Ouais, on va bien s'amuser. Hein. Alors, est-ce que je fais de la pub pour d'autres chaînes? Oui. Alors, en général, je fais de la pub de gens que j'apprécie, que je connais. Parce que c'est notamment les raids, hein. les raids que je fais en fin de stream, en général c'est pour donner de la force à quelqu'un, donc que je connais, des fois non, des fois je ziote juste la catégorie, et je regarde, mais en général j'ai ma petite liste d'amis, j'essaie de m'ouvrir à d'autres personnes, parce que bon c'est vrai que je reste dans la sécurité, je reste sur les gens que je connais déjà un petit peu, mais j'aime bien m'ouvrir à d'autres horizons et essayer de voir bah, qui sont les gens, y a tellement de gens incroyables à découvrir tous les jours, donc j'essaie, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, si vous avez des streamers, pas forcément Zelda, de plein d'horizons, n'hésitez pas, si jamais vous avez des chaînes, à me conseiller de streamers qui méritent un petit coup de pouce, que je ne connais pas encore, n'hésitez pas à me les faire savoir avec grand plaisir. J'ai la latence, moi c'est pas possible, je viens de voir à l'instant que Martin m'a offert un sub il y a 2 semaines. Ah oui, Anto, ouais, il y a une sacrée latence. 2 semaines, ça fait beaucoup quand même. Oh. 2 semaines, ça fait pas mal. Il y a un gros décalage horaire quand même. C'est plus une latence là. Là, c'est un jet lag. Là, il y a carrément un jet lag. C'est même, t'as complètement changé d'univers. Là, on est même plus sur la même planète. Je suis mort. Ça va, Pix, tu vas bien? Ce soir, c'est Tears of the Kingdom, les gars. En fait, dites-vous, le mardi, le jeudi, le samedi, c'est Tears of the Kingdom. Tu parlais de streamer, est-ce que j'ai compris? Oui, Kitsu, je disais, si vous avez des recommandations de personnes, de nouveaux streamers, je ne suis pas contre. N'hésitez pas à me le dire, à me les dire si vous trouvez des gens sympas, des gens peps, rigolos. Moi, c'est ce que je kiffe. J'aime bien les gens avec de la personnalité, des gens qui sont très good vibes, qui sont très drôles, qui ont un truc. N'hésitez pas à me le dire, qui stream pas forcément que du Zelda, histoire que j'aille zioter tout ça, et puis parce que bah on kiffe toujours découvrir de nouvelles personnes, donc n'hésitez pas. Y a pas de soucis, Pix, t'inquiète, je discute 5-10 minutes, et après on y va, ok? De toute façon, je fais que de l'exploration, Pix. Au fait, quelqu'un m'a offert un sub il y a 2700 ans, je viens de m'en rendre compte seulement maintenant, ouais. Waouh, voilà, c'est beau, quel décalage, je ne sais quoi. Y'a pas de soucis, Baptiste, bonne soirée à toi, à bientôt. J'ai fait ma propre recommandation, à une exception, je ne stream pas. Ouais, donc ça ne sert à rien. Moi, je veux des gens qui streament, du coup. Moi, je conseille Pingu. Bah oui, mais je connais déjà Pingu. Oui, pas de spoil. Pas de spoil, pas d'aide, pas de backseat. Hein, vous connaissez maintenant, vous connaissez les bails. Vous me laissez tranquille, on joue ensemble. On s'amuse, d'accord, vous faites votre aventure et vous me laissez tranquille, d'accord, on fait comme ça, sinon c'est ban. Je vais me relancer bientôt sur les live Twitch. Ah ouais, c'est vrai, sur le nouveau Story of Seasons, yeah. Oh, c'est beau, c'est pas mal. Pingu, c'était pas ouf. Ah bah regarde, et bah rien que pour ça, Cricri, parce que t'es mauvais, regarde ce que je vais faire. Je vais faire un petit attends, tu vas voir si c'est pas ouf. Il est où le Pingu là? C'est quoi son pseudo à Pingu? Je sais même plus. Pingu, tiens, regardez, hop, dédicace à Pingu, voilà, sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne, allez lui donner de la force. Ça prend 3 secondes, il se lance tout doucement sur Twitch, donc n'hésitez pas. Et ça fait toujours plaisir, un petit peu de soutien des gens, donc let's go. Non, je vais pas à la Japan cette année, Pix, je suis de mariage. Je suis de mariage, donc n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Et dès que vous l'avez fait, vous me le dites. Ok, vous êtes gentil. Alors l'histoire, je vais la continuer vers 22h30, 23h. Inch'Allah. Inch'Allah. Si. Parce que si je passe encore une heure à chercher les Korogu, je suis pas dans la merde. C'est fait, merci pour lui. Merci Queen, merci Emily. Ça prend 3 secondes, un petit clic. Let's go. Ça va Francesca? Oui, laissez-moi galérer pour les Korogu.
Allez, vous êtes prêts? On est parti! On y va! La exploration pendant au moins 2 heures. Les souterrains, etc. Vous connaissez, machin, voilà. Donc on y va. Je fais un gros bisou à Pix, hein, si jamais il s'en va. Gros bisou Pix, à bientôt. Et puis bisous à tous ceux qui s'en vont, hein, évidemment. Allez, amusez-vous bien. Bye, à toutes. Et voilà, je suis directeur of business. Donc c'est parti pour du Tears of the Kingdom jusqu'à minuit, comme d'hab. Alors là, comme rappel au programme, on va faire de l'exploration. Je vais retourner dans les souterrains. Mais avant, on va voir le Korogu. Et donc, nous t'aimons, Korogu. Allez sur le chat, avant d'y aller, nous t'aimons, Korogu. Nous t'aimons, merci pour tout, Korogu. Nous t'aimons, Korogu. Merci à toi d'être là. Merci à toi. Nous t'aimons. Nous t'aimons fort. Je suis mort. Allez, donc on va partir pour... Le trauma, il est là. On va partir du coup pour de l'exploration. On va partir pour les souterrains. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Mais avant, on va faire, avant les souterrains. Alors attendez, je cherche juste mon spot où j'ai envie d'aller. Et ensuite, on va d'abord aller checker les Hamibos. Et puis, c'est là que je vais aller là. Voilà. Voilà, on va faire ça. C'est très délicieuse. Coucou, tu réponds pas au message Insta parce que... T'as juste liké le mien. Alors, peut-être je like juste, c'est juste j'ai pas le temps. Ou alors je regarde ton message, je l'ai vu sur le moment, ça m'a fait plaisir. J'essaie de répondre à beaucoup, mais entre tous mes messages Discord, Insta et tout, j'essaie d'aller à l'essentiel. Mais au moins, je te montre que j'ai lu ton message. Ouais, on va en faire un son, je pense. Je vais en faire un son. Ok, alors on y va. On va aller dans les souterrains. Avant, je vais faire les Hamibo. Alors, c'est parti. Shake. Let's go. C'est parti mon kiki. Non, j'ai toujours pas battu. Salut Alex. J'ai pas battu Ganondorf. Je n'ai pas battu Ganondorf. Bah, y'a pas de modérateur. Bien sûr qu'il y en a. Ils sont dans l'ombre. Ils attendent que tu fasses le faux pas avant de te ban. J'ai rejoint ton Discord mais je sais pas utiliser Discord. Ah, alors ça c'est problématique. Bah, en vrai, il n'y a rien de compliqué. Dis-toi, Discord, c'est des salons textuels, pour la plupart. Tu te balades dans tous les salons et tu discutes. Tu discutes, tu regardes, tu lis un petit peu les descriptions. N'hésite pas à demander aux gens qu'on t'explique, les gens sont accueillants. T'as des salons... Putain, j'ai que des trucs crépusculaires. T'as des salons vocaux, t'as un peu de tout. Et il y a toujours quelqu'un. Tu t'ennuieras pas. Bon, en vrai, tu trouveras toujours quelqu'un avec qui discuter. Moi, j'essaie d'être le plus accessible possible. Je privilégie... Oh! Tu sais, des miroirs des ombres! Oh, il est trop beau! Oh, regardez, il est trop beau! Tu sais, des miroirs des ombres! Oh, je suis content! Il est grave beau! J'adore! Et, ouais, je disais, je privilégie plutôt le contact sur les salons que les messages privés. Donc, si jamais tu veux discuter avec moi, n'hésite point! Je hante souvent le Discord. Mais oui, Kazu.
Bah, ça me fait plaisir. Moi, je préfère que les gens soient actifs et discutent à fond de n'importe quoi sur le Discord, hein, au contraire. Je préfère ça, hein. Largement. Je vais m'acheter des Amiibo, t'as raison, Kylian. Fais-toi plaise. Je suis très content, moi, qu'il y ait des gens comme toi, Kazu, qui soient sur mon Discord et qui le fassent vivre. Je préfère ça. Salut Léa, comment ça va? Ça me fait du bien. Je suis allé sur le Discord, j'ai tellement de salons Discord. Ah, moi je suis pas sur beaucoup. Je vais sur... Ah, parce que bah, déjà je gère mon propre Discord, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Mais je suis quand même sur le quelques Discord de quelques copains, en soutien. Mais je passe tous les 15 du mois, quoi. Mais au moins je suis sur leur serveur en soutien. Ouais, exploration, ouais. Oui, j'en ai que 5 d'ouvert sur l'une d'Amiibo. J'ai pas envie d'ouvrir les autres. Oh! Oh 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 oh! Exploration ce soir et vers la fin de stream, on va avancer dans la quête principale. Non, j'ai des figurines, Kylian. Mais justement, j'ai envie de me prendre les cartes Amiibo là. De chez AliExpress. Histoire de. D'avoir un peu plus de trucs. Parce que moi, je vais. Dans un an, j'y suis encore hein, sur Tears of the Kingdom. J'y suis encore, donc il faut que j'investisse. Faut que j'investisse, hein. C'est un business. Ah ouais. Faut que j'investisse dans les cartes. Comment on fait pour envoyer un message sur Twitch? Ben voilà, tu viens de le faire. Là, ça a envoyé un message. Ton message a été envoyé. Ah merci, j'ai oublié le compteur Korogu. Merci, oh mais t'es au top hein. Impeccable, merci Pingu. Tu t'es déjà servi du guide? Non. Non, 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 j'ai toujours pas ouvert le guide en fait tant que j'ai pas fini l'histoire principale. Et je me dis, va devoir. Je suis sûr qu'ils vont refaire une édition ultime du guide parce que bah, il y a les DLC qui vont sortir. C'est obligé. Dans les DLC, il y aura plus de détails sur le scénario. Donc voilà, plus d'épreuves, etc. On connaît la chanson. Donc, je vais devoir racheter un deuxième guide histoire d'être à jour. C'est vraiment pigeon un jour, pigeon toujours. Ouais. Les DLC, tu sais quand ils sortent? Je sais pas quand ils sortent, mais en général, je pense qu'il faut compter minimum 6 mois après la sortie d'un Zelda pour avoir... en fait, le temps que ça s'essouffle et que ça reprenne. La stratégie Nintendo, c'est à court terme. Donc, entre 6 mois et un an, s'il y a un DLC. Hein. C'est toujours à moyen terme, Nintendo. C'est entre court et moyen terme, la sortie des DLC. Ok. Alors, du coup, on va prendre ça... on va prendre Zoa. On va faire de la lumière. Voilà, Lumos. Ok, Harry Potter. Et là, bah, on va explorer à fond de balle. Parce qu'il y a plein de trucs à faire ici. Hein. J'ai plein de racines à chercher. J'ai plein de sonium à soniumer. Enfin bref, beaucoup de détails. Oh, quoi? Ah bon? Ah, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ou alors j'ai oublié. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça, regardez. Trop stylé. Si je le fais tellement jamais. Ça va, maître renard? Ouais, fin d'année, c'est possible. Oh, je dirais un peu avant quand même. Je dirais courant septembre. Après les vacances d'été, parce que bon, y a personne. Ouais, ça va super. Ça va nickel. Ouais, elle est trop bien. Hein. C'est trop stylé de ouf. Là, je vais faire les racines. C'est vrai que les racines, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je pourrais m'aider des sanctuaires, en fait. J'ai qu'à m'aider des sanctuaires à chaque fois, mais... J'ai un peu la flemme. Je fais pas tous comme les autres, apparemment. Hop. C'est parti, on mange. On mange, on mange, on mange. Ok. Moi, je vais aller là. Voir ce qui s'y cache, là. Si c'est possible. Hello Emily. Encore merci pour ton aide Emily, t'as été au top hier, ça m'a fait plaisir. Chaleur insupportable. Chaleur. Chute de lave. Ça, il faut que je prenne à fond de balle là, le sonium. Sonium à fond. Sonium à fond. Ah non, bah du coup on va se mettre son... On va se mettre ça là. Voilà.
Avoir le feu au cul, c'est bien, mais... Tu prends plus de plaisir à jouer à Tears of the Kingdom ou à Breath of the Wild, ou les deux, ou c'est la même sensation? Oula, il y a beaucoup de questions dans une seule question. Alors, tout ça, je vais y répondre plus en détail quand je ferai ma vidéo YouTube dans quelques temps. Pas tout de suite, hein, parce que tant que l'histoire principale n'est pas terminée, je ne fais pas de vidéo YouTube. Vous êtes beaucoup à me poser beaucoup beaucoup de questions. Je vais vous répondre en temps et en heure. Je pense que je vais faire une vidéo sous forme d'FAQ avec les différentes questions que je reçois. Je vous donnerai mon avis sur tout en tant que fan de The Legend of Zelda. Ce que j'en ai pensé, lequel je préfère, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé voir. Enfin bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Parce que vous êtes beaucoup à vouloir le savoir. Mais tant que l'histoire n'est pas finie, je peux pas avoir d'avis global. Et même avec l'avis global, avec le jeu terminé, je sais ce qui nous attend après, avec la sortie des DLC. J'en ai une petite idée. Donc c'est vrai que... Il faudrait que je refasse une autre vidéo en fait. Ok, je vais aller par là, vers la croix. On va aller voir là. Mon Zelda préféré, c'est une très bonne question. Alors, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir comme ça là. Et je vais dire Ocarina of Time. Les anciens Zelda manquent, bah évidemment. Hein. Il faut les garder dans son cœur, mais. Faut passer à autre chose. Vous pensez qu'ils en sortiront un autre de Zelda? Non, pas tout de suite, oh non. Non, non. Au pire, on aura un spin-off, on aura un truc, mais non, non, Zelda, non, non. Ils vont rester sur la... Ils vont rester sur Tears of the Kingdom, hein. Ils vont le presser comme un citron, hein. Vu comment le jeu se vend, ils vont le presser comme un citron, hein. Alors, moi je suis un peu déçu car il ne parle pas des prodiges de Breath of the Wild. Bon, bah trop tard, j'ai lu le message. Alors oui, mais c'est logique un petit peu. Alors qu'il n'y ait pas trop de lien avec Breath of the Wild. Bon, ça j'avoue que c'est un peu bizarre. Malgré que je pense qu'il faut l'expliquer. Même s'il y a quand même des liens. Mais c'est un petit peu logique qu'il ne parle pas des prodiges. Hop là. On prend le bouclier. Attendez, est-ce qu'il y a du sonium? Attendez, bougez de là! Oula, ça pique! Ça pique! Voilà. On va faire gaffe, on va faire belle. Attendez. Je vais me les faire ceux-là là. Oula là! Oula là! Oula là! Maillet rocailleux, on s'en fout. Allez, prends ça! Prends ça! On va prendre ça. Allez, bye Sandra! Bye! Ouais, il faut que je prenne là les items et tout. Hein. Une queue de les Alphos! Ouais, peut-être des spin-offs à mon avis. Hein. À mon avis, des spin-offs. Mais encore, hein, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de sortir de spin-off. Zelda se concentre sur la nouvelle console. Au pire, sur la nouvelle console, on aura Tears of the Kingdom et Breath of the Wild en Ultimate Edition. Mais ils n'ont pas besoin pour l'instant. Ils sont bien là. On casse! On casse! Merci Pingu. Oh là là, mais incroyable. Oui, on fait de l'exploration les deux premières heures. Ça me fait bizarre de qu'on réponde à ma place comme ça. Je suis pas habitué d'un tel confort, Pingu. Ah, fais attention à toi là. Un remake peut-être dans 2-3 ans. Non. Un remake de quoi? De Tears of the Kingdom? Ben, non. Pas du tout. Un remake, en général, tu fais un remake d'un jeu qui... Tu fais un remake d'un jeu qui... Bah, qui a besoin d'un remake, qui a besoin d'un petit coup de... Qui a besoin d'un petit coup de jeune. Ou alors, un portage, tu veux dire un remaster? Un remaster, un portage, ça, il y a déjà plus de chances. Twilight Princess, vous pouvez oublier. Hein. Twilight Princess, Wind Waker, vous pouvez oublier sur Switch. Hein. Clairement.
Vous pouvez clairement oublier, ça n'arrivera jamais. Malheureusement, je le dis encore et encore, hein, des années que je le répète. Vous n'aurez jamais Tears of the Kingdom et Twilight Princess et Wind Waker, malheureusement. Hein. Faudra vous y faire. Hein. Ou si vraiment il y a Twilight Princess et Wind Waker, c'est qu'ils n'ont plus rien dans le planning et c'est en toute fin de Switch pour vraiment lui redonner un second souffle comme on a vu dans le Nintendo Direct. Hein, les jeux qu'ils ont annoncé, c'était clairement un message pour vous dire on sort nos dernières cartes là, nos derniers gros projets de Nintendo, du studio, je parle interne, parce que Nintendo font leurs jeux, hein, contrairement à d'autres. Eux, ils sont vraiment... ils ont leur propre studio de développement. Donc, non, ça n'arrivera pas, malheureusement. J'espère vraiment un prochain Zelda avec un monde et une aventure inédite. Oh, bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Ce sera pas pour tout de suite, hein, faudra attendre un petit moment. Et peut-être qu'ils surferont sur la vague encore Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, hein. Parce que c'est vraiment un univers bien différent des autres. Donc, non. Nintendo a promis il y a des années de sortir... Non, c'est faux. Alors, Nintendo promet rien. Voilà. C'est faux. Non, il n'y a pas de promesse. Ok. On va faire des utes. Une nouvelle console, si, c'est sûr. Hein, on va... Mais ça va... L'annonce de la nouvelle console, à mon avis, ça va pas tarder. Hein. D'ici quelques mois. Ou en tout cas, s'il n'y a pas l'annonce, on va avoir quelques bruits de couloir, quoi. Mais c'est en chemin. Après, l'annonce ne veut pas dire la sortie, hein. Après, pour rappel, la Switch, elle avait été annoncée en janvier, je crois, pour sortir en mars. Ou un truc comme ça, je sais plus. Il y avait la grosse pub de com de la Switch. Qui, à la base, le projet de la Switch, elle devait s'appeler la NX. La NX, c'était le nom de code. Et on a eu la Switch Unet. Ouais, je m'y connais un petit peu, oui, parce que je sais comment ça fonctionne. Puis ça fait un moment que j'y suis, hein, donc oui. Et je m'y connais, je sais comment ça marche. Ok. Et allô la croix? Ah merde, j'ai fait demi-tour. Merde. Je vais aller là-bas. Faudrait un remake à la Breath of the Wild de Zelda 1. Bah, Breath of the Wild est typiquement Zelda 1. En 3D, quand tu penses, regarde. Tu sors d'une grotte et tout, tu vas chercher ton épée, t'as un open world. C'est typique. Ils se sont inspirés de Zelda 1 pour faire Breath of the Wild. C'est typiquement ça. Hein. C'est typiquement Zelda 1, Breath of the Wild. Le tout premier. Ils se sont inspirés. Là, j'ai vu qu'il y avait de l'esprit. C'est vrai que j'ai toujours pas utilisé les trucs d'esprit là. Bon. On va retourner là-bas. Ça va, Chicky Pop? Tu vas bien? Merci de ton passage. Gros bisous. A plus dans le replay. J'aime bien son passage. Chicky Pop, son passage, il me fait trop plaisir à chaque fois. Il passe. Et après, il regarde les replays. C'est trop cool. Ça va, bibiche? Salut un mec sur TikTok. Prout. Prout. Oula, je crois que je peux pas y aller là. Je vais être en manque d'endurance là, si. Ça passe. Ouais, non. Ouais, c'était sûr. Ouais. Je sais même, peut-être que je peux pas passer là. Si, mais ça doit être complicado là, je vois que dalle. Allez hop! On met de la lumière! Oh, si je peux passer, mais c'est juste que je suis nul. Hola, como te sientes? Tengo la camisa negra. Non, je me sens très bien. Hein. Je me sens très bien aujourd'hui, bien reposé,
pas mal. Je suis très bien, je suis en forme avec vous, comme d'hab. Ça fait plaisir. Ça va, Nico, tu vas bien? Ah, Cricri, en fait, hier, il y avait Méline qui est passée sur le live. Elle m'a dit de te faire un bisou. Je sais pas si t'étais là. Oui, je sais à quoi servent les... les esprits. Oh, mais de la lumière. Ça va, Aurélie? Ça va, Venti? Vous êtes content hein, de voir du Zelda aussi, là? Ça me fait plaisir à chaque fois. Salut, Flavia, c'est Lixo. J'adore tes lives, Tears of the Kingdom. Obligé de venir. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Bah, dis-moi, tiens, ça m'intéresse d'avoir un avis honnête, Lixo. Qu'est-ce que tu aimes dans mes lives, Tears of the Kingdom? Dis-moi des trucs que tu aimes. C'est vrai qu'on me dit jamais ce que les gens aiment dans mes lives. On dit juste, j'aime tes lives, ok, mais qu'est-ce que t'aimes dans mes lives? Dis-moi tout, tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi tu viens sur mes lives et pas sur un live de quelqu'un d'autre? Je crois que c'est une bonne question, ça. Coucou, j'ai vu la notif, j'ai accouru de suite. Oh, c'est gentil. Tes lives rendent les gens heureux. Oh, arrêtez, n'importe quoi. Hein. Oh, rendre les gens heureux. Déjà ton humour, merci Gossi. Perso, c'est ta bonne humeur, j'aime bien. Ok, trop bien, merci. Oh, vous êtes chou. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est la meilleure des réponses. Vous êtes mignon. Pour ma part, je dirais toi et ta personnalité. D'accord. Oh, vous êtes chou. Merci à vous. L'ambiance et surtout tes réactions dans les jeux me tuent de rire. Ah, c'est vrai. Ah, vous êtes gentil. Bah, ça fait plaisir. Parce que tu es un incroyable showman. Oh, eh, tout de suite, eh, les grands mots. Un showman, oui, d'accord. Toujours plus. Eh, tu veux combien, Estelle, là? Tu veux combien, là? Quand tu rages ou quand t'as réussi quelque chose? Ah. Ouais, moi, je suis... Bah, je suis comme ça, même si je jouais en off. Merci, les gars, vous êtes adorables. On va pas le temps passer avec tes lives alors que d'autres sont barbants. Alors non, 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 ça, je peux pas vous laisser dire ça. Les autres ne sont pas barbants. C'est comme moi, je ne plais pas à tout le monde. C'est juste que les personnes que vous regardez, que vous trouvez barbants, ne vous correspondent pas. C'est juste ça. Tu vois, on peut pas matcher avec tout le monde, tu vois. Moi, il y a des streamers, je pourrais jamais regarder leur stream parce que je suis pas... tu vois, je capte pas, quoi. Ils sont pas barbants, hein. C'est juste que bah, c'est pas notre délire, quoi. C'est tout. Merci, Gossi. Perso, ce que je kiffe, c'est ta personnalité, ton caractère, ta façon d'animer. C'est un tout, te prends pas la tête, totalement décontracté, c'est adorable. Merci Chnico, tu veux vraiment qu'on aille boire un verre toi à Boulogne? Alors pour ceux qui pensent que c'est Bois de Boulogne, non, c'est Boulogne-sur-Mer, c'est dans le nord. Oui oui, t'inquiète, on ira boire un verre. C'est gentil. En tout cas, tu fais mieux les lives. Oh bah c'est gentil. Bon ok, c'est mignon. Allez c'est bon, allez on arrête les compliments. Allez hop, c'est bon. On arrête. Tu devras utiliser la modification de voix. Ah! Ah, j'avais pas vu. Sorry. Merci, Pingu, du retour. Alors, attends. Alors là, du coup, c'est 5 minutes, je crois. La modification de voix, c'est combien? Je m'en souviens plus. Modification de voix. C'est 5 minutes, ouais. Donc, il est 35 à 40. C'est parti. Je vais modifier ma voix. Je sais pas ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Bonsoir à tous et à toutes, est-ce que ça change beaucoup ou pas en termes de la voix en dit et je modifie si c'est le fond? Est-ce que ça me plaît cette voix ou pas? Vous me dites. Bref, ça fait une belle voix ou pas? Voilà, donc on est parti. On est parti pour faire de l'exploration. Là, je suis en train d'explorer les caves, laisse tomber.
Et il fait noir dans les caves, c'est un truc de ouf. Regardez, il y a des gens qui ont la lumière là. On dirait dans un registre un peu affilateur noir si c'était un homme. Oh non, 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 mais j'ai pas changé, attendez. J'ai changé. Regardez à celle-là. Qu'est-ce que vous en dites de cette voix? Est-ce qu'elle est bien? Ou pas? Ou vous préférez celle-là avant? Il y en a plein d'autres. Hein? Il y a celle-ci. Est-ce qu'elle est prête? Oh, ben, on baila. I was a spell. Smell. That is something on a girl. Ah, yo, boss, c'est même pas. C'est même pas fait avec moi, les gars, avec moi. C'est pas un tueur. Ah, c'est bien. Attends. Show me. I wanted to be. To have you be. I don't know. Mais j'aime bien cette voix. Ça me plaît. J'entends pas les voix, alors je sais pas ce que ça fait vraiment. Oh, mais bon, là. Oh, non, il meurt. Peut-être qu'il faut que je tue les gens. Ouf. Ah, attention, je vais encore les yeux. Oh, vous allez rire, il y a 3 minutes, j'ai trouvé d'autres voix. Attendez, bougez pas. Vous êtes prêts? Et celle-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci ou pas? Est-ce que vous l'aimez bien? Attendez, je suis en train de tuer les monstres. Vas-y, Jules. Oh, bravo! Bravo! Oh, bravo, Jules! Oh, bravo! Oh, oui! Oh, bravo! Maître Gims? Oh. On dirait Maître Gims. Qu'est-ce qu'il chante? Maître Gims, je sais même plus. Je sais même plus ce qu'il chante, Maître Gims. Il chante quoi? Ne me demande pas la mine. Ton regard est pour moi. Poitrine, c'est à moi. Tout donner, tout donner, tout donner.
Je suis flatté. C'est très délicieuse. Je suis choqué. Bon, il y en a encore ou pas? Allez, c'est déjà tué. Voilà. Bye. Et voilà, c'était la fin des voix. J'espère que ça t'a fait plaisir. La personne qui a mis ça, c'était Tora, je crois. Voilà, ça fait du bien, hein. Ça vaut le coup quand même. Arrêtez, arrêtez. Je sais que vous aimez bien. Je sais que vous aimez bien ça. Je sais que vous aimez bien. C'est votre truc à vous. Elle est bien celle-ci? Vous aimez bien cette voix-là? Elle vous plaît? Ça va, Kotaro? Elle vous plaît, ouais? On reste sur celle-là? On reste sur cette voix? Ok. Je touche plus, là. Ah bah, écoute. Tant mieux, hein? On bouge pas. Merci, Kazu, pour le Prime! Oh, c'est adorable! Merci beaucoup! Ouais, Kotaro, t'as loupé un concert de Maître Gims avec une voix... Oh, oh. T'as loupé un truc. Ah, ici, il faut pas partir très longtemps, hein, parce que tu loupes tellement de trucs. Je suis flatté. Merci, Kazu, pour le Prime. C'est rien, t'inquiète, Kotaro, il y aura d'autres moments. Ça va bien? Je donnerai encore ma patience pour changer la voix. Tu as raison. Tu as raison, Tora. Regarde, grâce à toi, on a passé un très bon moment. On a passé 5 minutes incroyables grâce à toi. Bravo. Bravo. Quelqu'un sait c'est quoi le badge VS? Alors, le badge VS, c'est un badge que Twitch vous donne parce que vous avez regardé une personne Twitch jouer à un jeu de combat. Voilà. Un truc Street Fighter, je crois. On a appris ça sur un live Mario 64. Alors, c'est pas moi. Mais je crois que vous pouvez modifier les badges, hein. Vous allez sur vos options, là, dans le chat. Je crois que vous pouvez modifier les badges. Si jamais vous voulez pas voir le truc VS. Non, alors, t'es pas obligé d'avoir regardé un live Street Fighter. Mais t'as peut-être regardé une personne qui a streamé du Street Fighter. Du coup. Tu vois. Si la personne a streamé du Street Fighter et que tu l'as regardé son live, et ben t'as un badge VS. Moi je l'ai eu, j'ai regardé un live d'une personne qui avait streamé un jeu de combat, alors c'est pas du tout un streamer de jeu de combat, et j'ai eu le badge. Ça va, Chloé? Ouais, là on fait les la petite exploration de sanctuaire, de racines et tout. C'est rigolo, c'est sympathique. Ouais, heureusement, Kazu. J'imagine pas la gueule du logo. Non, t'aurais pu le laisser, Pingu, t'inquiète. T'aurais pu le laisser, le message. T'inquiète. Ça, c'est soft. Allez. Ouais, ça va, et toi, Chloé? Ça va bien? Ouais, souterrain. J'aimerais bien avancer dans le souterrain. Et la dernière heure, je pense que je vais... Et je vais avancer dans la quête principale si j'y arrive, Inch'Allah. Parce que c'est ce que j'ai dit, mais après j'ai passé une heure la dernière fois à chercher un kimono. Donc bon, on y croit. Donc là je cherche à fondre du sonium pour, tu sais, avoir plus de batterie. Parce que je suis toujours en Hess. Donc les souterrains, il faut que je les explore à fond. Et puis c'est agréable au final de faire des souterrains, je trouve. Puis avec vous, on discute, je vois pas le temps passer. C'est agréable. Je prends les esprits qu'il faut que j'utilise d'ailleurs pour je sais plus quoi là. Pour les statues, je sais pas quoi là. Hop là, bye Sandra. Bah alors la note là. Votre note pour la journée. Elle était comment votre journée? Une note entre
1 et 10 là. A été comment votre journée? A été bien ou pas? Dites-moi, faites-moi un petit retour. Ça va, coup de jus? Tu vas bien? 5 sur 10, aïe. 9, 8,75. D'accord. 7, 10 sur 10. Ah, super. Oula, 10 sur 10, coup de jus, trop bien, je suis content pour toi. 8, 9, 3, oh. 3, 2. C'est pas ouf. Ça va, François? 6. Aïe. Sept sur 10, la madame m'a pas donné la bonne glace. Que ah ? Elle t'avait donné quelle glace ? T'avais demandé quelle glace et elle t'a donné quelle glace ? Attends, mais ça va pas du tout ça. Je veux bien tout entendre, mais de pas donner la bonne glace, ça c'est pas bon. T'avais demandé quoi comme glace ? 7, 8, c'est pas mal. Moi je passais une très bonne journée. Je dirais un bon 7. J'ai demandé menthe chocolat, elle m'a donné caramel. Bah elle a bien fait. Elle a bien fait parce que menthe chocolat, il faut pas manger de la menthe et chocolat. Elle a eu raison la vendeuse. Non mais tu fais partie des gens qui mangent des petits carrés de menthe chocolat? Non, tu mangeras du caramel. Ça va pas ou quoi? Menthe chocolat, oui bien sûr. Non mais n'importe quoi. Elle a eu raison. Non mais dégueulasse. Il a demandé deux boules, goût fraise, il a eu deux boules, goût. Goût banane, goût banane. Je rigole, Bibis. Oh non, les After Eight, hein, c'est les chocolats préférés de ma daronne. Je crois que c'est les chocolats préférés dès que t'as à partir de 50 piges. Oh non, non, non. À partir de 50 piges, tu manges des After Eight. Oh non, non, c'est pas possible. Alors ça... Alors ça, et les mon chéri là. Ah merde, attends, il faut une autre arme. Les mon chéri, attendez. Attendez. Je le tue, j'arrive. On va poser, attendez. Vous êtes pas prêts là. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les mon chéri ici sur le chat là? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les mon chéri? Est-ce qu'il y a des personnes dans cette planète qui achètent des mon chéri et qui les mangent? Ok, alors Pingu, désolé, tu vas devoir faire... Je vais devoir te ban, hein. Je vais devoir vous ban. Oh non, 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 non. Non, oh là 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 là. Okay. Alors, il y a Pingu à ban, il y a Parizo à ban. Pire chocolat, on est d'accord. Je pense que c'est le pire cadeau. Je pense que c'est le pire cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, genre à Noël. Genre, ça et le coffret de parfum Scorpio. Vous savez, le cancer de la peau en bouteille. Et bah ça, c'est les pires cadeaux que vous pouvez offrir à Noël. C'est les cadeaux de la Hesse. Genre, t'as pas trop eu le temps, t'étais à Auchan, t'étais parti aller chercher tes huîtres parce que t'avais oublié. Et puis, t'as vu la tête de gondole et t'as vu le coffret dégueulasse de Scorpio. T'as dit, tiens, je vais l'offrir à mon tonton Jackie que je vois tous les 4 ans. Donc, jamais. Horrible. Non, non, achetez pas des mon chéri. Et n'achetez pas des mon chéri pour picoler la liqueur, hein. Bande de cinglés là. Oh là 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 là. Ah bah là clairement je vous juge. Moi je peux pas être ami ou avoir de l'affection avec des gens qui aiment les mon chéri. Désolé. Moi déjà je peux pas. Je suis désolé, je suis ouvert d'esprit mais faut pas déconner. Oh non, ça je peux pas. Franchement, je peux pas. C'est pas possible ça. Je peux pas donner l'heure aux gens qui aiment le mon chéri, les mon chéri. Et qui en achètent. J'adore aussi coup de jus. Ah ouais, non, mais le pack Scorpio. La liqueur dedans, c'est du Scorpio. Oui, exactement. Meilleur commentaire. Ah, meilleur commentaire. La liqueur dans les manchéries, c'est du Scorpio. Mais meilleur commentaire. Mais je suis mort. Meilleur commentaire. Oh, tellement. C'est tellement ça. Le boss final, c'est Ganondorf. Waouh! Quel spoil de malade! Quel spoil! Heureusement que t'es là! Ouais, il faut bien recycler les aventures. Ah ouais, c'est... Moi aussi, coup de jeu, j'aime beaucoup. Elle aime les Chamonix. Les Chamonix? Attends. Qu'est-ce donc des Chamonix? Attends, faut que je regarde ça. Chamonix.
Qu'est-ce que c'est les Chamonix? Chamonix. C'est quoi? C'est des chocolats? Qu'est-ce que c'est les Chamonix? Je vois pas ce que c'est là. Qu'est-ce que les Chamonix? Ah, ça l'orange! Ah, attends, attends, ouais, je vois. Oh non! Ah, mais même pas, je les mange, ça. Oh non! Ah non, oui! Les petites madeleines, là, l'orange. Oh non! Oh, Miskina, Lisa, je m'attendais mieux de ta part. Lisa, je te voyais plus manger... qu'est-ce que tu pourrais manger, toi? Toi qui es toute pétillante. Attends, attends, bouge pas. Toi, moi, je te vois plus manger des pimps à la framboise. Ouais. Je vois plus manger des pimps à la framboise. T'as plus une tête à manger ça. Non, non. Pas des Chamonix. Non, non. Faut pas manger ça. C'est comme les pimps, c'est horrible. Alors, non. Les pimps, c'est pas horrible. À la framboise, ça passe. Elle déteste les pimps. Oh non, mais je peux plus rien faire pour elle. Oh non, non. Alors, je suis d'accord, les pimps à l'orange et tout, les trucs, ok. Mais les pimps à la framboise, non, faut pas déconner. Non, je peux plus rien faire pour Lisa. Lisa, je t'appréciais beaucoup. Mais là, t'es en train de... Voilà, ça commence à être compliqué, là, Lisa. Hein, Pébélec. Mais exactement, Koudju. Mais à la framboise, je pense que... Oh, il y a un beau sondage là sur TikTok. Attends, sur Twitch. Attendez là, putain, je suis dans une pleine orgie, j'arrive pas à me concentrer. Ah bah, c'est ça que je voulais faire. Merci beaucoup pour le follow. C'est ça que je voulais faire. Alors, attendez. TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour participer au sondage. Alors, on va voter Chamonix ou les Pimps. On va voir celui que vous préférez. Chamonix ou Pimps. On va voir celui que vous préférez. Vous avez une minute pour voter. Hop, let's go. Voilà. Allez-y, je vous laisse voter. On va voir, je vous laisse voter, on verra qui est le grand gagnant. Le grand gagnant de ce sondage incroyable, international. Oh, les madeleines, c'est clairement la vie. Je suis totalement d'accord. Les madeleines... Les bonnes madeleines, attention. Les bonnes madeleines là. Oh là 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 là. Mazette. Moi je mange ça sur la tête d'un pouilleux. Hein. Ah ouais, non mais clairement. Franchement, trop bon. Oh là là là. Non, arrêtez, vous me donnez la dalle alors que je viens de manger là. Tellement bon. Ah, attention, il me reste plus que deux cœurs. Voilà, c'est à cause des madeleines. Oh là là, bordel. Eh ben, vous avez été 84% à dire les pimps. Attends, il y a quand même des gens qui ont voté Chamonix. Enfin, à part Lisa. Il y a 5 personnes. Ok, vous êtes complètement cinglés. Hein. Oh là 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 là. Ça va pas, vous. Hein. C'est que des vieux qui ont voté ou... Ah bah, Kazoo, ok. C'est pas étonnant. Ok, 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 ok. Non, mais ok, c'était juste pour savoir. J'ai voté Pimps. Ah, bah non, y'a pas que les vieux alors qu'on votait Chamonix. J'ai vraiment un petit enfoiré des fois. Ça va. Bah, allez, crame-toi le fiac, toi là. Il est où, Joule? Viens là, Joule. Voilà. C'est Joule. Hey. Ah! Oh merci Joule! Attends! Oh putain, putain, je suis stressé là. Je vais prendre ça. Non! You're crazy! Oh, bordel. Les Pimps, alors moi les Pimps, j'aime juste ceux à la framboise. Les autres, je leur donne pas l'heure. Hein. Ah non, non, les autres, je leur donne pas l'heure. Juste à la framboise. Tu me feras jamais manger d'autres pins. Pimps. Jamais. Pins, ça m'a encore heureux, imagine. Mais juste à la framboise. Voilà, c'est tout. Je suis pas un pimps au fibre, quoi. Je mange pas des pimps tout le temps.
C'était là. Ah ouais, mais j'ai envie de les tuer. Il y a le somnium et tout. Là. Les napolitains. Oh non. Alors le napolitain. Franchement, la moitié d'un, ça passe. Mais c'est trop sucré. Et... Oh ouais, non. La moitié d'un napolitain. J'ai du mal à le finir, moi, le napolitain entier. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est sucré. Oh là là là. C'est hyper sucré, napolitain. Franchement, la moitié d'un et je suis essoufflé. Oh, mais t'arrases, toi, putain, mais... Eh, j'ai insulté ta mère ou quoi, toi, dégage. Commence à me saouler, lui, là. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de me défoncer le fiac. Eh, casse-toi, allez, oust. Allez, dégage, là, va bouffer tes Chamonix à l'orange, là, avec Lisa, et arrête de me faire chier. Oh, merde. Ils sont chiants, ces monstres, là, là. Non mais je comprends, ouais. Non mais on a tous des goûts différents, hein. Oh putain. Non mais c'est vrai, les napolitains, franchement, c'est trop sucré. C'est trop sucré. Oui, c'est parce que je l'adore, Lisa. Vous inquiétez pas, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je connais cette personne. Je connais son faciès. Qui aime bien châtie bien. Hop. On tape. Merci beaucoup pour le follow. Prends place. Fais comme chez toi. N'oublie pas que t'es chez moi. Et les gars, merci à vous. Il y a deux jours, on fêtait les 2600. Et ben là, on est déjà direction les 2700. Merci à vous. N'hésitez pas à soutenir, lâchez un petit follow Twitch. Ça fait du bien. Et ça soutient énormément. Merci à vous. Et ben merci, comme quoi il faut que je le dise. Il faut que je le dise pour que vous le fassiez, en fait. C'est ça. Même pas, même pas, vous venez soutenir. C'est ça. Même pas, vous venez soutenir spontanément. Il faut que je vous le demande. Pour le truc, tu fasses le truc Oufoufou, c'est un truc de vote. Tu élimines à chaque fois un truc jusqu'à la finale sur un thème précis, genre quel est le meilleur fruit. Ah, Oufoufou. Je vais le noter, tiens. On peut faire sur TikTok une vidéo, un truc comme ça. Oufoufou. Vas-y, je vais le noter. Oufoufou. Ok, ça peut être un truc sympa à faire aussi sur Twitch ou sur faire une soirée Twitch dans le just chatting. Ça peut être sympa comme idée, ça. Kuju, merci à toi. Qu'on se fasse, tu sais, une soirée just chatting et on se fait des classements entre nous, genre ça peut être sympa. Merci du conseil. Je vais regarder ça, ça m'intéresse bien. Bah au top, merci. Ouais, ça monte de fou en ce moment, les follow. Hein. Ça me fait trop plaisir. Que ça, bah, ça me fait trop plaisir parce que c'est mon bébé, quoi. C'est mon métier en plus, donc je suis content que les gens kiffent. Ça me fait du bien. Ça me donne du smile. T'as pas Twitch? Bah tu installes. C'est gratuit. Je veux dire... tu installes bien des applications. Je veux dire, t'installes bien Sephora et compagnie. T'es d'accord? Tu peux bien installer au moins Twitch pour moi. Il faut que je fasse les yeux du chapeauté pour que tu installes. Ah, mais je suis mort. Ouais. Mais comment? Mais avec ton téléphone. Merci Kuju. Bah t'installes avec ton téléphone. Tu vas pas l'installer avec j'en sais rien moi. Avec ton Minitel. T'as quoi comme téléphone? Ça va Nao? Je peux pas tout vous dire. Les fleurs radieuses, je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais on va les garder précieusement. Ok. Oui, il est que 21h, Nao. On a déjà bien discuté. Hein. On a fait beaucoup de choses. On a fait des sondages. On préfère le Pimps, on préfère le... le Chamonix. Il y a eu un gros débat. Il y a eu de la chanson, il y a eu un concert. C'est vrai qu'il se passe beaucoup. Il se passe quand même beaucoup de choses en si peu de temps. Hein, on est d'accord. Je suis mort. Oh ouais, non, mais il se passe beaucoup de choses. Là, je peux pas y aller. Donc, en fait, il est là, le truc.
Ok, il a la pointe là. Donc je peux pas. Mais écoutez, j'ai fortement envie d'y aller là. Donc je vais aller au Cap Père Quelin, je sais pas quoi. J'ai fortement envie d'aller là-bas. Allez, on y va. Ça sert dans les préparations les fleurs radieuses. Ok. Ouais, parce que je sais toujours pas à quoi ça sert. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un truc qui s'utilise pour une quête en spécial. Alors me le dites pas surtout. Pour une quête en particulier ou pas. Je sais pas. I don't know. Ah! Sanctuaire! Ah, mais c'est en dessous. Peut-être là. Sanctuaire bébé, montre-toi mon petit sanctuaire que j'aime tant. Sanctuaire que je vais pas chercher parce que j'ai la grosse flemme. Où est-ce qu'il est le sanctuaire là? Allez, amuse-toi bien! Oh, cri-cri adieu. Bisous à coup de jet! Amuse-toi bien sur Mario Kart! C'est trop bien comme pseudo coup de jet. Coup de jus, coup de jet. J'adore. Bye bye, coup de jus! Quel gars bien ce coup de jus. Hein. Quel gars bien. Sachez-le, c'est une personne au top. Hop là! On va échanger ça. Est-ce que j'ai des trucs? Non. J'ai rien à échanger depuis le temps. On joue avec deux, ok. Allez, ça pue du cul. On va aller à la pointe. On va aller là-bas. On va voir ce qui s'y passe. Parce qu'il me faut du miasme aussi. Est-ce que je peux y aller au moins, là? Ok. On y va. Par là. Oh, putain, je voyais plus vos messages sur Twitch. Non, sur TikTok. Ils viennent tous de réapparaître d'un coup, là. Eh, le logiciel de TikTok, il est éclaté, je trouve, par rapport à OBS. C'est ouf. Hier, TikTok, ils entendaient trop le son du jeu. Là, vous entendez bien, en fait. C'est comme d'hab. Oh, la lumière, elle pète les yeux. Ça a bugué, ça m'a viré du live. Ah ouais? Move the director. On entend plus ta voix que le jeu, donc c'est bon alors. C'est nickel. Je vais m'abonner, je l'ai téléchargé. Ah, super. Oui, le but c'est que vous entendiez plus ma voix que le jeu. Le jeu c'est secondaire, hein. Entre guillemets. Parce que après pour les replays, c'est pas agréable. Vaut mieux qu'on entende ma voix au-dessus d'un jeu. Et que je me taise quand il y a une action. C'est mieux. Oui, the director of business. Exactly. Ouais, c'était sur Professeur Layton, on entendait un peu trop le son du jeu sur TikTok. Mais malheureusement, c'est assez limité. C'est assez limité ce que je peux faire. J'espère qu'ils vont mettre à jour leur truc. Eh, mais le miasme, il est où pour atterrir en bas, là, j'y pense. Est-ce qu'on peut... Oh, mais je suis con. Mais je suis con. Fallait passer par là et faire le tour comme ça. Mais oui, Clarisse. Oh là là, non mais j'ai pas réfléchi. Mais je suis bête. Oh là là. J'ai même pas réfléchi. Mais non, mais... Eh, je suis perdu avec tous ces étages. J'ai même pas réfléchi. Qu'est-ce que je suis bête. Professeur Layton, c'est un jeu d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes qui... C'est une saga de jeux d'énigmes qui est sortie sur Nintendo DS. Il y a eu des opus Nintendo 3DS. Des opus mobiles aussi. Un opus sur Switch, 4L Layton. Et il y a un nouveau qui va arriver sur Switch dans quelques temps, peut-être d'ici un an ou deux. Enfin, sur Switch. On ne sait pas. Sur peut-être la prochaine console de Nintendo et autres, hein, on ne sait pas. Et du coup, j'ai décidé de faire les professeurs Layton tous les mercredis. Donc, on fait des énigmes ensemble. On va se faire tous les Layton, hein, déjà les 4 premiers sur DS. Et on verra pour les opus 3DS parce que je pense qu'il faudrait que je mette un boîtier de streaming, un boîtier d'acquisition pour la 3DS. Histoire de vous les montrer. Donc j'ai plusieurs 3DS, j'en ai quelques-unes, j'en ai 3-4. Donc si je peux en sacrifier une pour le faire le stream, je le ferai. Enfin sacrifier, c'est un grand mot.
Comment je fais là pour descendre? Ouais, ça sera que le mercredi, professeur Layton. Ouais, que les mercredis. Ça sera le mercredi Layton, en fait. Alors, si tu me demandes des maths, clairement, t'es pas au bon endroit. Hein. Je vais pas t'aider pour les maths. Hein. Demande à ton père ou à ta mère, ton frère, ta sœur, qui donne un coup de main. Mon chat. Ça va? Bonne soirée, Nyokaku! Merci d'être passé! J'arrive un peu tard, qu'est-ce que j'ai loupé? Alors, tu n'arrives jamais tard. Tu arrives à l'heure que tu arrives. T'as rien loupé, t'as loupé juste un concert. T'as loupé un débat avec des gâteaux. Qu'est-ce que t'as loupé? Bon, pas grand-chose en une heure. C'était rigolo ce débat. Mais non, c'est pas là. Mais je comprends pas. Comment je fais pour descendre là? Comme ça? J'ai l'impression que je vais face à un mur. Face à un mur. Mais ouais. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui cloche. Comment je fais pour sortir de là? Ah, ou alors il faut que je passe par là. Et il faut que je trouve le miasme qui est par là. Et c'est pas le même miasme. Parce que là j'ai l'impression que je suis Kéblo. Mais il me faut la racine. Elle est où la fucking racine? Déjà j'y verrai plus clair. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est la racine. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un sanctuaire là. Donc là, ici aussi. Mais je peux pas y aller. Il y a forcément un sanctuaire quelque part là. Et il doit y avoir une racine ici. Il doit y avoir une racine quelque part. Où est-ce qu'elle est? Je vois pas. Sur le gros pilier? Ah, normalement, on n'a pas le droit de m'aider. Hein. Attends, c'est quoi ça? Mais c'est pas pour retourner à la surface, ça? Merci, Kotaro. T'inquiète, pas grave, mais je vais le faire. On va voir si ton aide était cool. Ça me ramène à la surface ou ça me ramène au-dessus? Je viens, le labyrinthe des racines, ça ferait un super film. Bah, je serais pas dans la merde. Je serais pas dans la merde. Ah, ça me ramène ici. Hein, c'est pas ouf. Ah, bon, il y a un Korogu. Ah, merde, merde. Bon, bah, trop tard. Il y avait un Korogu en haut. Ouais, ça m'aide pas. Non, t'inquiète, Wave. Pas de problème. Nos soucis. Bah je vais recommencer, je vais quand même prendre le Korogu, ça m'embête de le laisser là. Les objectifs c'est que de l'exploration ce soir. Exploration jusqu'à 22h, 22h30. Et après on avance un peu la quête principale. Je vais prendre le Korogu. Voilà. Je peux pas le laisser là et ne pas le prendre. Voilà, je suis obligé de le prendre. Mais du coup je comprends pas comment on fait pour atteindre. Il y a forcément du miasme quelque part là. Que je vois pas. Oh là là, Clarisse. Il y a forcément du miasme, je sais pas, en dessous. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des œufs. On va les prendre. Des œufs. C'est bon. Il y a forcément un truc. Nous t'aimons, Korogu. Bah, je cherche à aller là. À aller là.
Mais me dites pas, hein, je veux pas que vous me donniez la réponse. Je vous le dis parce que vous me posez la question. Quand j'atterris ici, je suis que sur le rocher, mais j'arrive pas à descendre. Il y a un mur qui me bloque dans les souterrains. Mais moi, je cherche à aller là. Et il me faut le miasme, un truc pour y accéder. Parce que j'ai l'impression que celui-là... Ah bah du coup, le miasme, il est forcément... Ah non, c'est le... Il y a forcément un truc de miasme quelque part. Mais je vois pas où. Mais je vais le trouver. Et au pire, c'est pas grave, si je trouve pas, je fais des korogus. Oui, pas d'aide, rien. Merci à vous. On va trouver bien. Oui, je réfléchis à voix haute. Ah oui, parce que si je réfléchis à voix basse, je parle jamais, quoi. Je me fais yesh. Donc, regardez. Korogu. Il pointe là. Ici. Oh merde. Korogu. Moi je t'en prie. Avec plaisir. Vous voyez, je pense que... Je vais aller voir, quoi. Je vais aller faire le tour. Et dès que je vois un miasme, je saute dedans. Je saute. A toute bonne app, Pingu. Oh non, il y a encore un mec avec sa pancarte. Il y a encore un mec avec sa pancarte de mort. Sa pancarte de mort. Putain, mais quelle idée de foutre une pancarte là, trop de fion là. En plein. Alors déjà que j'arrive même pas sur une surface stable. Alors si en plus tu me mets dans une falaise, je suis pas dans la merde. Oh non, mais je vais être dans la merde là, les gars. Mais quel enfer de faire ça. Mais c'est pas humain de mettre une pancarte pareille. Oh là là. Non. Non. Je peux la récupérer ou c'est mort? C'est mort. Oh. Mais quelle idée, voilà. Eh ben voilà. Et eh ben, elle va se débrouiller, tête de champignon, là. Je suis dans le caca. Comment je vais faire? Quel enfer. Vas-y, je vais mettre... J'en sais rien, moi. Je vais mettre quoi? Je sais pas. Vas-y, on va mettre un glisseur. Ça ressemble plus à une planche. Mais quel enfer. On va coller comme ça. Non, mais putain, mais c'est pas vrai. Voilà. Non, ça va pas. Oh, colle là. Voilà, on est pas mal. Ouais, ça va tenir. Tu peux lâcher, c'est bon. Fais-moi confiance. Ouais! Oh, pour une fois que j'arrive du premier coup. Ah bah dis donc. Ouais! Oui, tombe pas! C'est bien! Non mais franchement. J'ai fait tous les donjons, je vois pas l'emoji après. Mais j'ai fait tous les donjons. Rubis rouge! Boulette de poisson! Fleur de confusion. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux faire le 100% de la carte ou le vrai 100%? Alors déjà je fais le 100% de la carte. Mais si je peux faire durer le plaisir, je ferai le 100%. Donc l'encyclopédie, etc. Prendre les photos, on verra. Mais déjà mon objectif c'est de faire le 100% de la carte. Vraiment qu'on voit en bas de la carte qu'il y a marqué 100%.
Après, on verra pour faire un peu de rab. Hein. Je ne suis pas contre, clairement. Donc, on verra. Ouais, je cherche le miasme. T'es trop fort. Bon, tu parles. Merci, Mazi, pour le follow. Merci à vous d'être si nombreux. Merci pour les follow. Et merci aux modos présents. Martin, Pingu, Nao et toute la clique. Kotaro, Manu. T'as combien d'heures de jeu à peu près? J'ai... Je vais te dire ça. J'ai 80 heures pour l'instant. 80. Salut, salut. Ça va, Mazi? Ça compte pas pour le 100%? Ouais, mais je l'ai fait quand même. Autant le faire. Alors là, il y a les Korogu. Il y a un Korogu quelque part. Et il n'y a plus les énigmes où il faut sauter dans l'eau, là? Y'a plus ça? Ouais, j'ai 80 heures, bah parce que je le fais que en stream le jeu. J'y joue pas à côté. Ah bah. Oh d'accord, oui d'accord. Ah ça passe? Oh. Ça passe à la vraiment à la centième de seconde, je suis mort. Alors là, j'y croyais pas du tout. Vraiment là, de la chance, c'est pas possible. Tu peux me montrer toutes mes tenues? Ouais, alors j'en ai pas beaucoup, mais je peux vous les montrer. Hop là. J'ai ça en tenue. Pour l'instant. Équipement. Bouclier. Épée. Et voilà. Pour l'instant que j'ai que ça. D'ailleurs, je vais remettre ma tenue. Voilà. Ouais, j'ai eu de la chance. Hein. C'était à la seconde près, là. Ah bah, je retourne là. Avec le... Comment? Le sanctuaire, quelque part. Il y a un sanctuaire, quelque part. Mais où? Bah, le sanctuaire, il est forcément là déjà. Mais il doit être à l'intérieur du mont. À l'intérieur de la montagne. Mais il faut juste que je trouve l'accès. Ah, c'est peut-être au niveau du pont là que j'avais vu. Non, j'y suis déjà allé. Oh, je sais plus. Super! Non, je joue sur Switch, Mazi. Faut que je trouve un accès, un trou là pour aller dans une caverne, une grotte. Souvent c'est en bas. Ah, je trouve pas. On va faire le tour. Salut Windmaker, ça va bien? Ouais, faut que je trouve l'accès de cette montagne là. Je vais trouver, t'inquiète, voilà. On va trouver l'accès là, on va trouver la porte d'entrée de cette grotte, même s'il n'y a pas vraiment de porte du coup, vu que c'est une grotte. Putain, on prend les tomates là, ça coûte cher. Avec l'inflation et tout. Voilà. Moi, tu vas pas te barrer. Oh non. Qu'est-ce que c'est angoissant, les arbres? Où est Bonne nuit, Tora. Bonne nuit. Dormez bien. Oh, il y a le dragon. Est-ce que je peux le... Oh, quelle belle photo. Un peu mystérieuse, cachée derrière un arbre et tout. On aime bien.
Où est-ce qu'elle est la grotte pour entrer? Bon, c'est là que je galère trop, je passerai à autre chose. La grotte pour aller dans le sanctuaire. Où est-ce qu'elle est? Regardez ce ciel, comment c'est beau, les couleurs! Ça fait plaisir! C'est si beau, regardez ces couleurs! Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique! Bon, je sais pas où est l'entrée là de cette montagne! Mais j'ai pas l'impression. Oh merde! Oh non, 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 non! Non, tombe pas, s'il te plaît, non, s'il te plaît, fais un petit effort, voilà, voilà, bug un peu, voilà. Non, non, ah, oh là là, j'ai eu peur. C'est exotique, ouais. Ah, tu crois que c'est Midona? Elle est là. C'est vrai que c'est beau, n'empêche. Hein. C'est grave canon, hein. Ouais. C'est très beau. Bah écoutez, je trouve pas l'entrée de la montagne. Je vois pas où pour aller aux profondeurs, donc on va abandonner et on va aller ailleurs. Hein, on va pas chipoter, on va pas faire chipoti chipota. Donc on va aller où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il y a du miasme ici? Tiens, ah, attends, là il y a du miasme. Bah là j'y suis jamais allé. Tiens, on va aller là-bas. On va changer. On va aller là-bas, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Ouais, c'est gentil, t'inquiète, merci. Mais j'aime bien chercher moi-même, trouver. Puis si j'y arrive pas, je passe à... Ah, j'ai 77 courroux. Si j'y arrive pas, je passe à un autre et tout. Mais c'est gentil, merci. T'inquiète. Ça va et toi, Maël? Vas-tu bien? Merci à tous ceux qui arrivent. Prenez place, tout le monde. Faites comme chez vous. Attendez, je mets mon petit hop, micro là. Ok, on va sauter dans le miasme. On va sauter dans le trou. Parce que je suis jamais allé dans celui-ci. Pardon. Bon, alors j'y suis allé, mais j'ai pas activé les racines, ce qui m'étonnerait fort. Hop. Je pense que je ne suis jamais allé. Je suis depuis hier et je suis fan de tes lives. Déjà? Mais tu me suis que d'hier, Maël. Comment ça, t'es déjà fan? Ça fait un jour. T'es déjà fan, Maël? Merci à toi. Ça me fait plaisir. Bah écoute, j'espère que tu passeras de bons moments. Que ce soit sur Professeur Layton hier, ou Zelda, ou Mario, ou sur des jeux d'horreur. Parce que je fais un peu de tout. Prends place, installe-toi, fais comme chez toi. Et let's go. Ah, là, il y a des racines. Non, c'est pas ça. On y va. Je vais aller là-bas. Là, je vois deux racines déjà. Ça sera deux racines en moins à faire. Et j'ai jamais été chercher les trucs... des statues, là. C'est toujours des armes un peu pourries, non? Ouais. Hop là. Ah, racine là. Je t'ai vu racine. Let's go. Je t'ai vu. Ça va, Sam Cooking? Bonne soirée, Aurélie. Merci d'être venue. Merci. D'habitude, avec les autres, on s'ennuie. Toi, t'es super. Mais non, Pénélope. C'est pas vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous ennuyez pas avec les autres. C'est juste que ils ne sont pas faits pour vous. Et que vous accrochez pas à leur caractère ou à ce qu'ils proposent, hein. Mais c'est juste pas fait pour vous. Vous savez, on peut pas aimer tout le monde, hein. Même dans les streams. C'est heureusement d'ailleurs qu'il y ait plein de streamers différents. Bon, moi, vous accrochez avec moi, tant mieux, ça me fait plaisir. Mais... Et vous ne vous accrochez pas avec d'autres. C'est juste ça.
Ouais, ça va bien, Sun Cooking. Au top, on est là, on fait les souterrains. Je suis avec Jules. Il est où, Jules? Il est là. Tu vois, je suis avec Jules. On est bien. Tu comptes faire une vidéo setup? Bah, il y en a déjà une sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà une où je vous ai fait un setup avant que je stream. Où je vous montre ma game room. N'hésitez pas, il y en a même deux de vidéos. Il y en a une qui est un peu plus vieille. Mais sur ma, sur ma chaîne YouTube, il y en a deux. Ok, je sais plus où est-ce qu'elles étaient les autres. Recri-cri. On peut pas aimer tout le monde, mais c'est pas une raison de pour les intérioriser. Ça marche, Victor Hugo. Alors bon, Racine. Oh, oula, non, ça fait peur ça. Ah là, non non, on va pas le tuer. On va pas le tuer. On va aller à la racine direct. Moi je suis une flippette. J'ai pas fait celle-là. Il y a du miasme. Il y a du miasme. En veux-tu? En voilà. Comment tuer les créatures de miasme qui nous attrapent les mains? Bonne question. Bah moi je les ai tués parce que j'avais des trucs anti-miasme et tout, ça m'a aidé. Mais si je peux te donner un bon conseil, fuis. Dès que les mains t'attrapent, tu fuis. Voilà, faut fuir. Tout le temps dans la vie, faut fuir. Dès qu'il y a un conflit dans ta vie, tu fuis. Dès qu'il y a un souci dans ton couple, tu fuis. Dès qu'il y a un souci dans ta famille, tu fuis. Faut toujours fuir. Oh putain! Oh, je suis en train de cramer, Qu'est-ce qui crame là? Ok. Ça crame encore? Putain, mais il y a tout qui crame là. Wesh, ça crame beaucoup là? Oh là là! Mais attends! Mais ça va pas! Oh, je suis dans la merde. Attends. Ah, oh, je vais crever. J'ai pas un truc anti-feu? Oh non. Oh, moi je suis dans la merde. Ah, elle me saute dans la merde. Oh, remonte. Ah, oh, je crois que c'est pas possible. Je vais crever. Non. Non. Arrête. Oui. Oh, c'est horrible. Oui, bon, c'est bon. On a compris. Oh oui, Link. Oh, putain de merde. Mais oui, j'arrive. Oh là là. Oui, oh là, je sais, t'as mal. Il y a du feu, je comprends. Merci, Sachatouille, pour le follow. J'aime bien ce pseudo, il est marrant. Sachatouille. Oh là là, je suis obligé de manger des champignons pour survivre, c'est horrible. J'en regarde un, on sait jamais. Oh là 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 là, mais attends, mais je suis dans la merde là. Allez! Mais calme-toi, chérie! Allez, remonte là! Il fait moins chaud! C'est bon, regarde! Je suis en haut là, il fait moins chaud! Mens pas! Oh là là. Bon, c'est pas possible. Ouais. Allez, tant pis. Bah ouais, je suis obligé de me téléporter là. Ouais, j'ai pas le choix. Sinon, je vais niquer tous mes trucs. Ah, fais chier. Je vais pas. Sinon, je vais niquer tous mes trucs à bouffer là. Oh putain. Bah. Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'il me donnait pas les cœurs. Attends, mais. Ah, je croyais que c'était un truc anti-feu. J'allais dire non. Qu'est-ce que je vais manger? Bah, je vais manger ça. Du poisson! On mange du poisson. Le poisson, c'est trop bon. Et on va aller de ce côté-là pour voir s'il n'y a pas de. De racines. Oh, je prends racine en toi.
C'est vraiment dégueulasse en vrai cette... ces paroles. Elles sont vraiment dégueulasses. Je prends racine en toi. C'est dégueulasse. Surtout quand tu sais qui a chanté cette chanson. Oh, je prends racine en toi. Ok, Jardiland. C'est dégueu. Hop. Hop là. Eh, on me touche pas. On ne me touche pas. Voilà. On me laisse tranquille. On me laisse passer, chérie. Merci. Ouais, tellement c'est horrible. Oh, je prends racine en toi. Oh. Dégueulasse. Ok, donc là, il n'y a rien ici à part deux zigotos et qu'il protégeait rien, genre. Mais arrête un peu ton char. Arrête ton char. Mais genre, il n'y avait rien. Il y avait juste un truc pour mettre un oiseau. Attends. C'est bizarre. C'est bizarre là qu'il y a un rail. Attends, genre ça, on peut pas l'exploser. C'est bizarre. Pourquoi il y a un rail comme ça dans le mur? Genre ça, il n'y a pas un truc à exploser. C'est très, très délicieux. Même pas. Oh, faut que je passe au-dessus. Oh putain. Putain, mais toujours plus l'escalade. Mais ça va pas, Clarisse. Mais t'as quitté une crise. Oui, bien sûr, hein, c'est dégueulasse ces paroles. Oh putain, voilà, je vais trop vite. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Vas-y, stop, stop. Attends, je vais mettre une tenue pour escalader. J'ai pas ça pour aller plus vite. J'ai pas une tenue pour escalader. Une tenue pour escalader. Je crois que je peux aller me faire. J'ai pas ça. J'ai pas de tenue pour escalader plus vite. Non, ça c'est juste l'adhérence. Ok, je pensais. Exactement. Non, j'ai pas acheté la tenue de feu là. Je l'ai pas tenue. Je l'ai pas acheté. Non, t'inquiète, Nao, t'aurais pu laisser. Il s'est censuré lui-même. T'inquiète. Il est rentré dans mon jeu. Pas non plus tout supprimer d'un coup. C'est tellement bien comme jeu. Regarde, je fais de la merde. Regarde comment je fais de la merde. Ah voilà, ah c'est bon. Ah là, je reprends un petit peu de... Attends, il m'en faudrait un petit peu. Ok. Regarde. Ok. Là, je pense que j'ai assez d'endurance. Oh, j'aimerais bien refaire une petite racine ou deux, là. Je prends racine en toi. Oh putain, je vais... Genre, cette chanson-là, chaque fois que je vais faire les sanctuaires, enfin les souterrains, ça va être magnifique. Pourquoi j'ai chanté ça? Je me le demande. Attends, mais en fait, je remonte là où j'étais, en fait. Ça sert à rien ce que je suis en train de faire, là. Clarisse. Ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ah, mais si, je suis obligé, parce que la racine, elle était... Je prends racine. La racine, elle était en bas. Après l'anguille, c'est la racine. Ouais, ouais, je crois que... On est parti pour une nouvelle musique. Quel enfer. Ouais, non mais quel enfer hein. Mais moi c'est... Des fois il y a des mots comme ça. Ça me rappelle trop des musiques. Et voilà. Et c'est mort. Pour me l'enlever de la tête. C'est mort. Ah c'est mort. Je vais l'avoir pendant un moment. Vous pouvez en être sûr que je vais vous faire chier avec cette musique pendant un petit moment. En tout cas quand on fera les souterrains. Putain, mais y'a personne pour allumer la lumière ici, hein. T'en vois rien dans ce baraque. Oh, je prends racine en toi.
Quel enfer. J'ai horreur de cette musique. C'est le genre de musique que tu mets dans les mariages et tout, là, les mariages des années 80, là. Oh là là, il y a tous les gens des années 80 qui dansent, là. Oh, quelle angoisse. Et là, t'es là, toi, t'es là à regarder, en train de boire ton verre, et tu te dis vivement que la soirée, elle passe. Et tu souris. Oh, viens danser. Oui, bien sûr, est-ce que j'ai une gueule à danser sur Jean Clay? Non, non, non. Mais moi, de la bonne musique qui bouge. Et on verra. Non, non. Quel enfer. J'ai pas la ref là de votre président là. J'ai pas la ref, mais non merci, je veux pas être président. Mais j'ai pas la ref. Allez, don't have la ref. S'il y a une ref à avoir, je l'ai pas. Lumière, caméra. Oula. Ah, c'est une musique. C'est qui a fait cette musique? Qu'est-ce qui a fait cette musique? Ah, c'est Squeezie. Bon, je regarde pas. Voilà. C'est normal que je connaisse pas. C'est normal. Hop là! Ouh! Allez, viens là! Viens là! Oh yeah! Ok, parfait. Petit et... Quoi? Non! Cette petite flèche, elle était traître. Wesh, ok, faut que je fasse le tour. Oh. Ok, faut faire le tour pour lui mettre un coup d'épée. Tout est normal, apparemment il y avait un mur invisible. Sonium. Le sonium, il faut que je prenne. Et après, je veux aussi parler là aux autres pour faire la... pour les échanger contre des batteries, là. À fond de balle. Je prends racine en toi. Ok. J'étais parti dans quel sens? Je sais même plus quel sens j'ai été. J'étais dans quel sens? Bon, on va aller par là. Je crois que je suis tombé. Je suis tombé! Ok! C'est galère à explorer des fois les profondeurs. Moi je me perds de malade. Elles sont où les petites racines? Elles sont où les petites racines, s'il vous plaît? Montrez-vous, pas que je cherche pour rien. Ce serait fort sympathique. S'il vous plaît, merci. Petite racine d'amour. Vas-y, vas-y. Montre-toi. Ok. Oh non, j'ai plus mon... Attends, vas-y, Jules. Vas-y, Jules. C'est Joule. Graine Lumos. Vas-y. Vas-y, Joule. Vas-y. Ouais. On va leur défoncer les grosses têtes là. Bye. Putain, mais je vois pas où est-ce qu'il est le. La racine. Par contre, Sonium à fond de balle là. Est-ce qu'il y a un mur ici? Est-ce qu'ils ont mis... Il y a un mur encore. Ouais. Il y a encore le mur. Ah, je suis bloqué là. Ah bah ouais. Je peux pas passer au-dessus. Ah, fait chier.
Eh ben écoutez, je trouve pas la... Ah, attends, la résine doit être là, du coup. Au niveau du sanctuaire. Par là. Mais est-ce que je peux y accéder? Ah. Deux racines. Racine. Oh non. Racine, racine. Attendez. Attendez. Attends, je veux juste... Juste récupérer ça. Voilà. Non, je vous laisse tranquille après. Voilà. Je récupère juste ça. Merci, au revoir. Voilà. Je vous laisse. Merci à vous. Ah, elle est là. J'ai trouvé. Ah non, c'est celle que j'ai déjà faite, non? Ah non, c'est bien celle-là. Ok, nickel. Alors, on va prendre racine en elle. Oh, je prends racine en toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais prendre racine. Et ben voilà. Une racine de plus. Je sais même pas combien j'en ai. J'en ai pas beaucoup, je crois. J'en ai pas beaucoup. En plus, il y a autant de racines que de sanctuaires. Je suis pas dans la merde. Parce que j'en ai pas beaucoup, hein. Ah ouais, j'ai rien. J'ai quasi rien. C'est la misère. Là, il y a un pont. Oh, oh là, ça mène où, ça? Ça m'a l'air bien mystérieux, cet endroit-là. Ah, ça m'a l'air très mystérieux. Bonne soirée, Bibiche. Oh, grand cristal. Ah, bah, je peux faire déjà une batterie. Oh, je prends racine en toi. Ah, non, mais je vais l'avoir en tête de ouf. C'est mort. Ça fait plaisir. Comme ça. Ah, un sonium supérieur, c'est bien, ça. Monde de fou. Lumière, caméra. Oh, quel enfer. Vas-y, tais-toi, Jean-Luclay. Là, il faudrait que je fasse le tour comme ça. Dans l'hypothèse où je peux accéder. Oh, ça fait loin. Mais est-ce que je peux aller à celle-là? J'y crois pas. Ah ouais, il faut que je sois en bigoteur, là. Oh ouais, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être complicado. Mais bon, on y va. Il reste combien de temps, là? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure dans les profondeurs. Et après... Eh ben, nous allons faire les batteries. Et ensuite, nous allons avancer bah, sur la trame principale un petit peu. Je pense on va faire la quête là du cinquième sage. Je sais pas du tout où il faut aller d'ailleurs. Je suis deg, ma partie s'est effacée toute seule. Je sais pas pourquoi j'avais fait tous les sanctuaires. Oh non. Moi je pense pas. Je pense pas qu'elle s'est effacée toute seule, Zelda. Moi, je pense que c'est quelqu'un de ta famille ou un de tes proches qui a supprimé ta partie. Parce que t'as dû lui faire une crasse. Peut-être ton frère, si t'as des frères et sœurs. Renseigne-toi bien. Moi, je pense que c'est... Ça doit être ça. C'est pas possible. La sauvegarde, elle est pas là en train de te dire « Bonjour, je vais me supprimer toute seule. Au revoir. » Non, 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 ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Je pense que c'est quelqu'un de ta famille. Alors, tu vois comme quoi, dans la vie, on a l'impression de les connaître et de les aimer. Mais ils peuvent te mettre des coups dans le dos. Donc fais très attention à ta famille. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas envie de foutre la merde. Hein. Je suis pas un mec qui fout la merde. Mais tu devrais quand même te méfier d'eux.
Mais j'aime pas les embrouilles. Mais va te battre. Je pense que c'est ma sœur. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que c'est ta sœur. Je la connais pas, mais je l'ai senti. J'ai senti que ta sœur, à mon avis, elle a le seum contre toi. Parce que peut-être qu'elle a l'impression que t'es la préférée de la famille. Et elle a trop le seum. Elle a trop le seum, donc elle a dit « Ah ouais ? Ah ouais ? Ok, pas de soucis. Elle veut se jouer à ça, elle ? Bah je vais lui supprimer la partie de Zelda, et elle va rien comprendre. » Parce que ça n'existe pas, les parties qui se suppriment toutes seules. Je pense que ta sœur, elle en a dans... Elle voulait en découdre. Ta sœur, je pense que... Il y a clairement anguille sous caillou. Tu devrais vraiment lui parler entre quatre yeux. Et lui dire... T'es vraiment horrible. N'hésite pas à te venger aussi. Mais j'aime pas les embrouilles. J'aime vraiment pas les embrouilles. Donc prends soin de toi. Est-ce qu'il y a un jeu d'horreur? Non. Cette semaine, non, il n'y a pas de jeu d'horreur. Là, on est sur du Tears of the Kingdom. Hier, Professeur Layton. Demain, on est sur du Grounded. On va jouer à ça avec les gens du Discord. Grounded, pour la première fois sur Twitch, on va voir ce que c'est. Et samedi, Tears of the Kingdom. Salut, Kurem! Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour là pour aujourd'hui. J'en ai fait pas mal. On va pas se mytho. Pour le sanctuaire. Donc on va aller échanger tout ça. Voilà. Et on va passer aux choses sérieuses. Nous allons continuer la trame principale du jeu. Donc, enfin, on va essayer. Si on croise pas des Korogu et tout. Bonne soirée, Manu. Merci d'être passé. Merci pour tout. T'as été au top. Et on va continuer la trame principale. Let's go. Ok, j'échange des batteries. Et on y va. Bah, Grounded, c'est un jeu multi. Où en fait, t'es tout petit. Dans un monde où tout est grand. Un peu comme Chérie, j'ai rétréci les gosses. Pour ceux qui connaissent. Alors, bon, ça date d'il y a un moment, mais... en gros, t'es vraiment tout petit, c'est un jeu coop. Avec du craft, des trucs de base. Bon, c'est pas... C'est vraiment pas mon style de jeu à la base. Mais je voulais proposer ça parce que je sais qu'il y en a quelques-uns sur mon Discord qui aiment bien. Moi, c'est pas trop mon del. Mais il faut essayer plein de choses dans la vie. J'avais envie d'essayer Grounded. Donc, on va essayer ça. On va essayer ça. Voir si c'est bien ou pas. On va échanger les batteries. C'est où? C'est là-bas. On va tester. Ça va, Kurem? Oui, le jeu est payant, bien sûr. Il est sur PC, il est sur dispo. Il est dispo sur, sur le Game Pass. Tu sais, la vie, c'est pas un kiwi. Hein, la vie, elle est payante. Je peux en avoir que quoi? Attends. Ah, je peux en avoir payé. Ok. 15 pièces. Ok. Ça fait 100. Ouais, je peux avoir deux batteries. Bon, j'en ai plein, là. Ah, dommage. Il m'en manque un petit peu. J'aurais pu en avoir 3. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà, j'ai peur. Ah oui, non, non, c'est ça, oui. Non, c'est juste lui qui en a plus en stock. Mais il peut pas en remettre en stock? Tu peux pas en remettre en stock? Ok, bah non, apparemment. Mais c'est pas grave, on aura deux batteries supplémentaires. Donc on va aller où? On va aller pour les échanger. Où est-ce qu'on échange? On va aller dans le ciel. Dans le ciel. Ouais, on va aller là. C'est quoi ta chanson? Je prends racine en toi, mes bourgeons éclosent sur ta peau. Et mes branches sortent de toi. Ah, mais ça va pas du tout. Oh, mais ça va pas. Mais c'est quoi ça? Tu pourrais chanter ça? Un clip, on envoie ça sur TikTok. Non, mais hé, je suis pas un produit marketing, les gars. Je suis pas un panneau publicitaire. Si vous voulez faire du buzz sur mon dos, là. Non, mais attendez. Je fais pas mon contenu pour faire du buzz sur TikTok. Je partage des moments qui m'ont fait rire. Je vais pas créer de toute pièce un buzz. Mais je suis pas un fucking panneau là! Non mais on est où? Mais ça va pas! Allez gratter du buzz ailleurs là!
Non mais n'importe quoi. Bon, on va échanger les batteries. Ah, oh, je vous jure. Allez, on échange. Bande de cinglés. Oui, ça va nickel et toi, Repingu. Hop là. On a deux cellules de batterie. Eh ben voilà, ça fait trois batteries pleines. C'est pas mal déjà. Bon, il en manque encore beaucoup à remplir. Mais ça fait plaisir. Bon, chose première, chose due. On va avancer. Attendez, déjà je vais sauvegarder. On va avancer un petit peu dans la trame principale. La trame principale, donc on était au 5e sage. Durant la guerre du sceau, le roi Rauru affronta le roi démon, aidé par la princesse Zelda et 5 autres sages. Si vous trouvez le 5e, vous pourriez obtenir un indice qui vous aiderait à affronter le roi démon. Proa vous a conseillé d'inspecter les ruines de l'âge des légendes. Allez explorer le reste du monde. Les sages se chargeront de leurs régions respectives. Mais je ne sais pas où est les ruines de l'âge des légendes. Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits importants dans le jeu. Mais je vois pas où est-ce qu'ils veulent m'emmener. Est-ce que c'est au temple du temps? Est-ce que c'est dans la forêt Korogu? Ou alors est-ce que c'est plutôt dans le ciel? Est-ce que c'est plutôt. Ah, ça peut être au village Cocorico aussi, parce que j'y suis pas trop allé. Ça peut être village Cocorico parce que bah on est avec. Comment s'appelle Impa. Je pourrais aller voir là-bas aussi. Je sais pas où est l'endroit vraiment qui t'indique. Je sais pas. Donc je vais faire un petit tour des horizons et nous verrons bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, Noya. Ah non, Noya, c'est pas là. Non, je vais aller d'abord à la forêt pour échanger une place dans l'inventaire. Ma soeur vient de m'avouer que c'était elle juste parce que je lui ai pris une frite. Oh. Alors là, elle a supprimé ta sauvegarde de Switch de Zelda Tears of the Kingdom pour une frite. Oh. Bon, après c'est mérité, hein. Si tu lui as pété sa frite, fallait pas péter sa frite. Hein. Franchement, quelle idée aussi. Pourquoi tu lui as mangé sa frite? Moi, tu me manges une frite, je te brûle la maison, hein. C'est mérité, désolé pour toi. Fallait pas piquer les frites des autres. J'avais de la peine et de la compassion pour toi, mais en fait, t'as fait un truc horrible. Faut pas manger les frites des autres. Elle a eu raison. Attends. Ça va pas ou quoi? Oh non, non, non. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, j'aurais supprimé sa partie pour une frite, hein, Twitch. Évidemment. Oui, c'est tout le buzz, là. Calme-toi, là. Va buzzer ailleurs, là. Allez, dégage, Nouya. Allez, hop. Alors, du coup, je vais aller voir au village Cocorico. C'est gauze. Ouais, carrément. Mais moi, j'aurais fait pareil. Je pense que j'aurais supprimé la partie. Ça se trouve, sa sœur lui a volé deux frites. Oh. C'est possible, hein. C'est horrible. Ouais, deux frites là, clairement. Je ne sais pas quoi faire, hein. Bon, je vais aller fouiller un petit peu le village Cocorico. Parce que j'ai jamais fait encore. Enfin, très peu. J'ai pas trop exploré là. J'ai pas trop fait la quête aussi de. Du Pokémon là, Tauros là. Le professeur Tauros. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ça, je l'ai pas encore fait. Le truc des rochers. Ah, bah il est là. Ah, c'est Tauro.
Vas-y, taureau. Bien le bonjour, monsieur Link. Oh. Tu t'intéresses aux vestiges circulaires flottant dans les airs? Je peux t'assurer qu'il en va de même pour nous. Nous aimerions suggérer à son Altesse d'autoriser l'étude de ce vestige, si nous en avions l'occasion. Avez-vous entre-temps découvert ce qu'il était advenu de son Altesse Zelda? Bah... Ah oui, c'est vrai qu'on en a eu. Quoi? La princesse, elle est apparue après le cataclysme, ne serait qu'une usurpatrice! Et la véritable Zelda n'a toujours pas été retrouvée! Mais dis-moi que tu plaisantes! C'est absolument incroyable! Mais je ne vois pas pourquoi vous iriez inventer une chose pareille! Mais je ne saurais pas l'expliquer exactement, son Altesse Zelda n'avait pas la même attitude que d'habitude. Mais si la dame Zelda que nous avons vue était une usurpatrice, et qu'elle agissait au service du roi démon, alors dans ce cas... Mais ça va pas, Clarisse! Mais t'as fait une crise! Oh, je ne vois qu'une seule raison pour qu'elle ait interdit tout accès aux vestiges circulaires flottant dans les airs. Cela voudrait dire que le roi démon en personne voyait un problème à ce que quiconque s'y intéresse, pas vrai? Et par conséquent, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Exactement! Je suis tout à fait d'accord, professeur Tauros. Moi, je l'appelle Tauros. Il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant pour y mener des recherches. Sacrelotte! Non mais qui dit ça? Qui dit ça? Personne dit sacrelotte. Personne dit ça. Sacrelotte! Mais quel enfer. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Ah, difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Tauros. Il y a juste un petit problème. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Mais nous sommes bloqués. Il semble n'y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se méfie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée d'inscription Sonao. Ok. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige? Oh pardon, j'étais dans mes pensées. Je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et d'ouvrir l'accès au vestige. Bon, allez, dégage! Allez, bye! Bonne soirée, Kurem! Salut, Zaya! Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont! Bye bye! À plus! Merci d'être passé, en tout cas. Alors, attendez. Hop là. Let's go. Voilà! Prenez place! Donc ok, donc là qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben écoutez, on va faire ça. Vous avez réveillé la paya. Il vous faut vous rendre à l'intérieur pour vous en assurer. À l'intérieur du vestige. Hop là. Ça va Thomas, tu vas bien? Ouais, là on va avancer. On va avancer dans la quête principale un peu là. Parce que ça fait quelques jours que je traîne, mais à un moment, t'as pas le choix d'y aller, pas le choix, faut y aller, comme dirait Faflarage. On l'embrasse d'ailleurs, il regarde souvent nos lives. Mais il a jamais le temps ce mec, il reste pas. Hop. On va faire des amalgames un peu. Parce que là j'ai vraiment que des armes éclatées. Merci beaucoup pour le follow, Addison. Merci infiniment. Merci de votre soutien, c'est adorable. Prenez place, tout le monde. Prenez place. Merci pour les follow Twitch. Vous êtes vraiment gentil. Vous êtes vraiment sympathique. Ça fait du bien de se sentir soutenu comme ça. Alors n'hésite pas à lâcher ton follow. T'es vraiment trop beau. Ça peut être bien ça. Ouais, trop bien. Bonne soirée, Johanna. A plus. Ça fera 50 euros pour être soutenu, il faut payer. Est-ce que quelqu'un peut ban Addison qui vient d'arriver quelques secondes, histoire que elle se remette... Elle se remette bien, s'il vous plaît. Merci, Pingu. Voilà. On verra si je paye pour que tu me soutiennes. À tout à l'heure. Complètement cinglé.
Alors, bon. Je fais de l'amalgame. Ça va, Flozer? C'était pour rire, je le sais, t'inquiète, moi aussi c'était pour rire. Ne recommence plus. Poisson! Ça va, Flozer? Quoi de neuf depuis hier? Bah écoute, salut Yanis. Quoi de neuf depuis hier? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Je me suis réveillé, j'ai déjeuné, j'ai bu un café, j'ai été chier, pissé. J'ai été regarder mes notifications. J'ai été dire bonjour à Cricri, etc. Voilà, mon chien, j'étais promené. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé un petit peu le matin, j'ai lu des mails, j'ai répondu à un partenariat. J'ai été un petit peu sur le Discord, j'ai écrit des règles pour des nouveaux bots sur le Discord. Ensuite, j'ai mangé, j'ai été promené encore Navi, j'ai pris un peu l'air. J'ai fait quelques exercices, je me suis brossé les dents, évidemment, c'est important. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu mon téléphone, j'ai travaillé sur un truc sur mon ordinateur, j'ai été repromené. Je suis de retour au business, j'étais sur le Discord. Après, j'étais sur Insta, j'ai répondu à quelques messages privés qui m'ont fait trop plaisir. Et après, bah, j'ai lancé mon live à 20h et là, je suis là. Merci beaucoup, Nezuko! Merci beaucoup! Merci pour le sub, c'est adorable! Le deuxième! Nezuko, c'est ton deuxième mois! Merci à toi! Eh ben, t'as un beau rubis, regarde, pour fêter ça, c'est beau! Ouais, c'est très précis, mais il m'a demandé. Il m'a demandé, je lui dis. Hein. Moi, j'aime les choses avec de la précision. Bah, ensuite, rien, je suis là! Attends, Flozer, laisse-moi arriver là déjà! Je viens d'arriver! Trop pressé ce mec. Ok. La cafetière va mieux? Non. Je parlais pas de sujet qui fâche parce que je vais commencer à m'énerver là. Non, non, la cafetière elle va pas mieux que les malaises. Non. Mais parlez pas de ça. Ça va, Nifiming? Ok. Ceci étant fait, on peut rentrer là. Voilà. J'ai une pensée quand même pour ceux qui arrivent sur le live. Qu'ils arrivent sur le live là et ils arrivent en étant accueillis par un bruit de prout. Je crois que ça peut pas être plus... je crois qu'il n'y a pas mieux comme accueil. Je crois que quand t'as un bruit de prout, quand tu te connectes, tu dis tiens, c'est qui Flavien? Je vais aller voir. Et je vais cliquer sur son live. Je connais pas cette personne. Il a plutôt des beaux cheveux. On va cliquer. T'arrives. Et on t'accueille. Avec des fucking prouts. Je crois qu'il y a pas mieux pour... Ouais, pour accueillir. T'es gay? Non, je suis Flavien. Ouais, il y a un truc à lire là. Ah mais c'est à l'envers là, Clarisse. Je peux pas lire. Mais il y a un truc là. C'est l'alphabet. Il y a l'alphabet. Je dois le prendre en photo. Peut-être. Oh merde, je veux bouille, ça sert à rien. Voilà. On va le prendre en photo. Voilà. Et après je fais comment? Ah bah... T'es gay? Non, je suis Flavien toujours. Je suis pas gay les gars, je sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas qui est gay. Moi je suis Flavien. C'est déjà bien. Ouais, je sais pas qui est gay. Je sais pas. Je connais pas ces gens. Oui, c'est rien, Naoules. À vous de vous amuser. Attends, il faut que je donne un... Tiens, regarde cette image. Amusez-vous. Qu'est-ce que c'est au juste? Oh, mais c'est impossible. Dampaya et toi, Kali, regardez ça. Enfin. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dedans?
Se pourrait-il que nous voyons là, l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village? Bah oui, j'y suis allé, t'es con quoi, Tauros? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte... Apparemment, tu m'aimes pas. Elle porte des inscriptions sur Nao, tout comme celles des autres vestiges circulaires, professeur Tauros. Ah, oui, pardon. Je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible. Promesse, Zelda, gravée, en mon nom, Mineru, sage, cachez la clé, sud-est, laissez... Oh, tu peux pas faire des phrases? Futur, souhait, vaincre... Oh, putain, et quand elle était en train d'écrire sur le mur, là, elle passait sous un tunnel ou quoi, là? J'arrive pas à déchiffrer. Sud-est, Mineru. Ouais, ok. Je sais pas, mais concentre-toi quand t'écris, hein, chérie. Zelda et le roi démon. Tout cela est vraiment très intéressant. Oh, c'est quoi ce rire? Vous avez entendu son rire? Ah bah alors là, elle était mignon, mais alors un rire pareil. Il y a un problème? Je réfléchissais simplement. C'est pas ça, juste avant, sud-est. Je me demandais s'il ne pourrait pas se lire Terre des dragons. Pardon? Oh mais oui! Mais c'est tout à fait ça! Dumpaya a parfaitement raison. Il faut lire ce passage comme Terre des dragons sud-est. Excellent travail! La déesse one way! Oh mais ils me cassent les couilles les deux là, ils sont trop chiants, allez dégager là! Excellent travail! Ah, Terre des dragons au sud-est, cela me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule. Oui, ok. On y trouve les ruines de Sonao, où se si je me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons. Oui, les statues là. Ah non, sorry, je peux pas. Son rire. Son rire, il me bute. Alors, son rire. Ah, j'adore. Ah non, mais il a un rire, lui. Il a un rire à réveiller les morts. Ah, franchement, j'en fais tomber ma manette. Il a un rire à réveiller les morts, ah je vous jure. Oh putain, je suis mort. Ah d'accord, quand je t'ai félicité pour ton excellent travail, c'est mais ça qu'elle... Mais ça va pas Clarisse, mais t'as piqué une crise. Ah non mais il a un rire. Excellent travail, allez on y va. Moi aussi je peux faire de l'excellent travail, oui bon allez dégage. Allez, on y va. Essaie de relier entre les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre. Voilà qu'on peut en déduire. Oui, quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sonao au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage, Mineru, le roi démon et une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique! En tout cela, c'est grâce à toi, Link. Je t'en remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines. Allez, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Bien sûr, Tauros, tu peux compter sur moi. Non, mais ils vont ken. Ils vont ken les deux là, le vieux là. Ils vont ken les deux, c'est obligé. Heureux et Nata. Nous devons d'abord partir vers le sud-est, sud-ouest. Nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs de des Peliers. Ce n'est pas loin des ruines. Ok, parfait. Allez, on va y aller tout de suite, Cheryl. Oh, mais quel rire. Oh. En route vers de nouvelles découvertes. T'es beau, mais arrête de rire. Arrête de rire. Ton rire, il tue. C'est un tue l'amour. Son rire à la con, là. Putain. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture sans avoir... Oh, vous faites chier. Ouvre un dictionnaire et puis nous emmerde pas, là. Je me demande bien où peut être son appel Zelda, la vraie princesse. Où elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Mais je ne peux pas partir à sa recherche. En tant que chef du village, je suis une grosse feignasse. Il ne me reste plus qu'à prier pour toi. Alors vas-y. Ouais. Ah non, mais il a un rire. Il a un rire.
Il a un rire alors moi mon rire clairement il est pas mieux hein. Mais j'étais pas prêt à ce qu'il ait un rire pareil quoi. j'étais clairement pas prêt. Je vais fouiller un petit peu le village Cocorico, si jamais il y a peut-être un Korogu. Vite fait là. Bon. Apparemment les Korogu veulent pas de moi. La tour des peupliers. Les PNJ Minecraft. L'imitation elle est parfaite. Ah non mais il m'a fait trop rire. Oh. Ah non j'ai eu chaud là. Je me suis tapé un je m'y attendais pas. Le timing était trop beau. Oh. Le timing était vraiment trop beau. Incroyable. Alors ok. C'est l'autre côté. Ah là, je vous jure. Oh non, la lune, elle a ses règles encore. La lune de sang, là. Toi, attends, rentre chez toi, au fait, là. J'ai plus besoin de toi. Tu m'as servi, ok. Maintenant, c'est ciao. Bye. Voilà, c'est où? Ah, mais c'est en dessous? Attends, c'est où? Ils sont où, les gens? Je comprends rien. Ah, c'est dans la tour? Ils sont dans la tour, là? Ils sont où? Ah, t'es là! Toi aussi tu es venu, on dirait que tu t'intéresses de très près au Sonao. Bah oui, je t'ai parlé tout à l'heure. Dans ce cas, laisse-moi t'accueillir comme il se doit. Admire notre base d'exploration. Bah c'est juste une tente là. Elle fait pitié là, ta base. Ouais, c'est pas ouf. Hein. À partir de maintenant, c'est d'ici que nous partirons en exploration. Tauros est déjà parti. Je connais pas ce bruit. Tauros est déjà parti en direction des ruines de Sonao. Il me semble qu'il a dit qu'il voulait commencer les recherches dans les environs du lac Dracos. Je ne connais pas l'endroit exact, mais en te dirigeant vers le sud-est, tu devrais arriver dans les ruines de Sonao. Mais tout de même, la nuit est tombée et il n'est toujours pas revenu. Est-ce qu'il est encore en train d'explorer? Franchement, Tauros, ne connais pas la fatigue. Bah ouais, mais il a un rire de merde. Ah, je vous jure. Non, j'ai jamais été sur site. Le lac Dracos. Le lac Dracos, c'est où? Le lac... Là, lac Dracos. Attends, on va enlever ça. Voilà. Ça va, Tatazou? Ouais! T'as vu? On est sur du... Oh, on cherche encore des trucs de ouf. Ah, j'adore. Oh non, tais-toi, toi. Tais-toi! On veut pas t'entendre. A chaque fois que tu limites, je me tape une barre. Oh. Je vais pas le mettre en... Je vais le mettre en son, limite. Il faut que je change mes sons Twitch, d'ailleurs, ça fait un moment. Normalement, je le fais tous les 3-4 mois. Il faut que j'en mette des nouvelles. Pas des nouveaux sons. Avec des nouveaux mèmes. Il y aura certainement pour... Il y aura certainement, je prends racine en toi. L'anguille. Ah, vous verrez bien, il faut que je trouve du temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Et est-ce que j'ai de l'argent? Non. Donc, Ah oui, il y a une nouvelle musique, Pingu, mais t'étais pas là, t'étais parti parce que t'as préféré manger ta bolognaise. T'as préféré manger, genre un truc pas important. Euh...
Le son. Ah. Attends, je dois aller où là? Parce que moi je saute comme ça. Attends, on va recommencer parce que je sais même pas où je dois aller. Attends. Attends, on va recommencer parce que je me suis j'ai plongé la tête la première là. Ok, bon, c'était pas du tout là. Ok. Vas-y, dépêche! Ouais! Donc, la forêt Kurogo était toute bizarre, mais il paraît qu'elle va mieux maintenant. Je suis bien content qu'elle soit guérie. Oh, bah c'est la première fois qu'on me tape la discute. Bah merci. Ça me fait du bien que Kurogo il me parle. Bah prends soin de toi. Ça me fait du bien. On se fait une petite photo, en souvenir. Voilà, t'es sympa. J'aime bien les gens qui me parlent. On parle jamais comme Kurogo. Les Kurogo me parlent jamais, donc je suis content. Merci à toi, prends soin de toi. Allez, la baisse, Roya. Oh ouais, il est sympathique. Merci, Jonah, gros bisous. Merci d'être passé. On se revoit mercredi prochain, Jonah, pour du professeur Layton. Ça va et toi, Kamada? Tu vas bien? Bah écoutez, je crois qu'on est arrivé à bon port. Je me suis ancré à ton port, je ne peux plus me décoller. Ça marche! Bisous, Jonah! Bon bah super, Kamada, si ça va. Ok. Il y a un livre. À l'attention de Kali. Il semble que le cataclysme a affecté jusqu'aux ruines de Sonao. As-tu remarqué le vestige en forme de long pilier juste en face de cette tente? Il ne devrait pas y avoir de ruines comme celle-ci à cet endroit. Alors je l'ai examiné. J'ai examiné la base du pilier, s'est ouverte, révélant un passage qui semble s'enfoncer dans les profondeurs. Quelle découverte! Je vais maintenant emprunter le passage pour voir où il conduit et examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Toi aussi, Kali, quand tu auras lu ces lignes, dépêche-toi de me rejoindre, Tauros. Allez, on y va! Il est où, Tauros? Ah bah, il est là! Je me demande. Tu te demandes quoi? Ah, Tauros! Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. En fait, j'ai déjà fait une nouvelle découverte. Ah ouais? Regarde un peu ça. C'est un bas-relief Sonao qui contient des inscriptions. Le style ne laisse aucun doute. C'est un vrai miracle qu'il ait été aussi bien préservé. Ou alors, c'est peut-être là le résultat de la technologie très avancée de Sonao. Grâce à ça, on peut encore décerner une partie du texte. J'ai d'ailleurs déjà essayé de le déchiffrer. Malheureusement, il est assez complexe. On pourrait penser que c'est un poème, mais ça pourrait être une sorte d'énigme. Ah! Ok, professeur Layton! Alors, il y a 10 bougies. Il y a 10 bougies, elles sont enflammées. Et il y a une fenêtre, elle s'est ouverte. Du coup, ça en est à 2. On a refermé la fenêtre, et puis on a soufflé dessus. Il reste combien de bougies, en fait? Je suis chaud. Ça commence par... Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Suis le grand serpent à la gueule béante, donc ok. Et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Un grand serpent et des dragons. Il parle des statues, et dans les statues, il doit y avoir un coffre qui me permet de résister à aux foudres. L'emplacement des ruines. Mais je n'ai rien vu un motif de grand serpent. Ou peut-être que ce grand serpent à la gueule béante, c'est un dragon. On va regarder ça. Oh. Voyons, dépose ensuite en offrande une orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. Ok, j'arrive à déchiffrer les mots. Cette orbe d'énergie Sonao, autel de la queue. Je sens que si je parviens à l'essuyer complètement cette énigme, je ferai une très grande découverte. Et il y a autre chose? Ok. J'ai trouvé une autre relique Sonao au fond de ces ruines. En jugé par sa forme, je dirais que c'est un coffre. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Impossible de résoudre cette énigme ou d'ouvrir le coffre. Oh, sympa ça! Qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur?
Ah, j'ai la parure de la foudre. Oh, chaleur. Oh, elle est sexy. On aime beaucoup. Yolé, 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 yolé. Tell me one more time. Oh, ça, avec une petite jupe, ça. Ouais. Oh là là, regardez. Whatever, whatever. Oh ouais, regardez, beau gosse, regardez, chaleur, chaleur. Oh non, mais c'est beau, mais regardez cette petite tenue là, petite jupe. Oh là là, qu'est-ce qui donne chaud. Yolé, 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 yolé. Ça va, Dylan? Pas mal. Oh là 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 là. Oh, franchement. Merci pour les beats. Ah ouais. Quel homme. Quel homme. Alors ok, on va continuer du coup l'aventure. Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons ont le cou. Alors on va aller voir les dragons ont le cou. Attends, merde, non c'est pas ça. Voilà. On va voir les statues des dragons là. Les statues de dragon. Genre là c'est une statue je crois. Je suis pas sûr. On va regarder. Vous voyez là, ces petites statues là, vous voyez. Donc là, je vais explorer tout seul. Hein. Super, Dylan. Ça va être cool. Statue. Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cache. Suis le grand serpent à la gueule béante. Alors déjà, où est le serpent là? Ah, il parle de ça. Le serpent, ça. Il parle de ça. Sûrement. Dépose ensuite en offrande une orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. Ah mais c'est pas un truc Sonao classique. Tu parles de ça? Je pense pas que c'est un truc classique. Énergie Sonao, ça m'étonnerait. Dépose ensuite une offrande, une orbe d'énergie Sonao. Je vais essayer. Orbe d'énergie Sonao. C'est où? Orbe d'énergie. Genre juste une comme ça, ça suffit? Non. Peut-être ici du coup. Bon, ça m'étonnerait. Hein. Celle qui repose dans une profonde gorge, je sens plus sa présence. La statue matriarche de la déesse. Je t'en prie, preux chevalier, rapporte-moi des nouvelles de la statue matriarche. S'il te plaît, je t'en prie. Oh. Ah, mais une autre mission. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Je pose là. Merci beaucoup pour les beats. Ouais. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Alors, Lincoln, elle n'existe pas vraiment, hein, vous le savez. C'est pas une vraie personne dans la... Enfin, ça vient... Elle existe juste dans Hyrule Warriors. Hein. Elle n'existe pas, sinon, en vrai. Elle n'est pas canon. Enfin, canon. Bah non, mais je pense pas que ce soit ça. Ça m'étonnerait fort. Je pense qu'il faut récupérer un truc venant d'un dragon et lui donner. Tu vois. Genre, je dois aller choper le dragon, là. Le dragon de foudre. Et je dois prendre un... Attends, là c'est notre quête là. Là c'est notre quête. Merci beaucoup. Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cache le dragon. Les dragons ont le cou. Les dragons ont le cou.
Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs de... Il faut que je fasse la tenue. Il faut que je trouve la tenue complète. Ah ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté. J'ai capté. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors. J'ai compris, ça c'est un dragon loukou. Il faut que j'en trouve un autre. Genre lui c'est pas un dragon loukou. C'est bon, j'ai compris. Il faut que je trouve la tenue complète. Mais ça peut être n'importe où là. C'est que dans le lac... Où est-ce que je peux voir un long... Putain, on voit rien en plus, c'est horrible. On voit que dalle. Ouais, faut que je prenne de la hauteur, je crois. Faut que je sois comme Emmanuel Moir et être à la hauteur. Être à la hauteur. Ah là! Là! Dragon Loku! Ok, super. Voilà. Ici! Oh, là. Bon, c'est vrai que j'ai Jules aussi. Hein. Ok. C'est bien ces quêtes-là. Là, là j'ai avoir quoi? Je vais avoir la tenue. Le pantalon? La culotte? Oh non, mais je préférais ma jupe! Oh, oh non! Oh non, c'est quoi ça là? Ah non! Alors ça non! Oh non! Alors ça non! Non, 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 non. Alors, en plus, ok, ça rend fluorescent et tout ce que vous voulez, mais. Les pantalons là, genre les flammes que t'achetais au marché en 2000. Non, 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 ça c'est pas possible. Non, 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 non. C'est quoi cette tenue dégueulasse là? On croirait les chemises du marché avec les flammes. Oh non, 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 ça c'est pas possible. Non, 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 non. Ça c'est. Non. Ça faut pas déconner. Hein. Oh là 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 là. Mais ça va pas, Clarisse. Oh ouais, non. Mais t'as piqué une crise. Non, mais c'est moche ça. Hein. Moche. C'est vraiment trop moche. Est-ce qu'il y a une troisième tenue du coup? Est-ce qu'il y a un casque? Parce que j'ai le casque du tonnerre aussi. Est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir un troisième dragon au long cou? Ah là. Ah c'est pas celui que j'ai déjà fait là? Ah non. Ça, à chaque fois, ne faut pas, mais oui, non, mais oui. La tendance flamme et tribale. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer, les tribales. Oh là 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 là. Eh, vous souvenez que... Mais c'est quoi, ça? Acheter une toilette. Oh non, non, mais je peux plus. Attendez, attendez, attendez. Alors, par contre, ses cheveux, ils sont trop beaux, comme ça. Alors, attendez. Alors, arrêtez avec vos comptes, là. Acheter des voitures, acheter des toilettes, je sais pas quoi là. Flavien le BG, le caca de Flavien. Stop avec vos follow de merde là. Oh bordel, je vais devoir supprimer ces abonnés qui n'existent pas. C'est des vieux comptes là, j'en veux pas. La barbe. Mais est-ce qu'on peut regarder le... La coiffure de Link là. Ça c'est beau. Bon par contre la corne... Bon, mais il y a un truc là. Là, vous voyez, il y a un truc. Je trouve que le pantalon, sans, comme ça, entièrement, ça va. Si t'enlèves, là, il est noir, le pantalon. La tenue, là, est plutôt sympa. Elle est jolie. Hein, on sent qu'il y a un délire. Mais heureusement qu'il n'y a pas le fluo. Mais là, ça peut aller. Mais avec le truc fluo, jamais de la vie. Ok, donc là j'ai la tenue de... Je sais... Non, je pense pas que ce soit une licorne. Je pense que c'est un dragon électrique. C'est comme le dragon il a une corne. On va retourner là-bas. Link corne, ok, ça c'est validé. Bravo Nao, ça c'est validé. Bravo.
Alors ça, c'est une très très bonne vanne. Oh, voilà. Prenez-en de la graine, le chat. Faites comme Nao, un peu. Ça, c'est bien. Oui, t'inquiète, moi aussi, Malika, je suis ironique. Le second degré. Pas très recherché. Dylan, t'es jaloux, je pense. Parce que t'aurais aimé avoir ce moment de gloire. Et tu ne l'as pas eu, Dylan. Je pense que tu es jaloux. Alors que Nao, elle a été là. Et elle a pimpé la blague. Elle l'a sortie au bon moment, bon timing. Et je pense que tu es jaloux, Dylan. Dis-le nous. Voilà, je m'en doutais. Dylan le jaloux. Mais si tu trouves que c'est peu probable, t'aimes ma théorie, Flavien, ou pas? Bah, je m'en fous. Enfin, c'est ta théorie. Elle est sympa, quoi. Elle a géré la vanne de fou. Oui, elle a été placée au top du top. Oui, merci Nao Kotaro. Ouais, je pense que... Ouais. Ça a été impeccable. Oh, mais je suis con, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille au... À la... Je sais pas quoi, là, de la queue béante, là. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut savoir mettre les vannes au bon moment. Faut toujours... Voilà, exactement. Faut tenter, faut oser. Et on n'a pas le droit à... On n'a pas le droit à l'échec. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être là pour vous juger si vous avez fait une mauvaise vanne. Alors, là, peut-être que je peux poser le truc Sonao, là. Est-ce que je suis bon ou alors je fais du caca? Genre là. Avec la tenue. Je crois que c'est pas ça du tout. Bon. Je pense qu'il faut que j'aille plutôt défoncer un dragon, non? Ou c'est là? Ou alors, c'est dans l'eau. Non. J'y suis pas du tout là. Je fais un truc de caca. Oui, de toute façon, les mauvaises vannes, elles sont bannes, hein, tout de suite. Oh, ouais, nous, on rigole pas, Malika. Oh, ouais, nous, on banne. Les gens qui sont pas drôles, on jarte. Oh, ouais, non, on s'ennuie pas. Oh, non, nous, on veut que des gens drôles ici, hein. Oh, ouais, non. Hein. Attends, je vais relire le truc. Suis le grand serpent à la queue béante. Et revêt les habits de la foudre que cache et... Oh, c'est fait. Dépose ensuite en offrande un orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue. Ah, sur l'autel de la queue. Ah, j'ai mal lu. Sur l'autel de la queue. Et where is la queue? Sur l'autel de la queue. Est-ce qu'il parle? Ou alors, est-ce qu'il y a un autel ici? Au niveau de la queue là? Ou alors, de l'autre côté, il y a une queue? Sur l'autel de la queue. Ok. Alors attends, on va suivre le truc. Je ne lirai même pas ce follow. Je vais devoir faire du ménage. Encore. Sur l'autel de la queue. Oh Alex, c'est le dernier au revoir. C'est vrai, quand tu dis au revoir à tes amis du collège, c'est triste. Tu pleures et tout, et c'est vrai que il y a plein d'émotions et tout. Tu dis oh mes meilleurs amis. Et après tu te rends compte que 15 ans après, bah ils s'en bat les couilles de ta gueule et qu'en fait c'était pas du tout tes amis parce qu'ils te donneront aucune nouvelle. Tu en donneras pas non plus. Tu vas les regarder avec jugement quand tu vas les croiser quand ils auront 4 gosses et que ils vont ressembler à de vieux rats et tu verras que ta vie elle sera beaucoup plus belle. Mais c'est vrai que c'est triste. C'est triste les au revoir avec les amis. C'est triste. C'est triste. Ouais. J'espère que t'as profité de ces derniers moments. C'est vrai, Kotaro. Hein. Les amis du collège, j'ai dit, oh non. Bah en même temps, c'est normal.
En même temps, c'est normal, tu partages ton quotidien quasiment tous les jours avec des personnes pendant merci pour les bits, pendant au moins 4 ans quoi, si tu redoubles pas. Donc évidemment, c'est marquant. Après je dis ça, est-ce que j'ai gardé vraiment en contact des gens avec qui au collège? Alors oui, un petit peu, quelques années, on faisait des soirées, on s'amusait bien. Notamment une fille avec qui je déconnais bien, mais après nos chemins se sont séparés. Moi je suis parti dans l'entertainment, vie de star, paillettes et tout. Et elle est partie vivre en Australie. Donc bon, on s'est un peu séparés. Et puis, mais en général, on coupe un peu les ponts. Mais si je les recroise, avec grand plaisir, je. Ça me ferait plaisir quoi, mais. On n'a pas. On sera plus aussi proche qu'avant. On était enfant, on avait 15 ans, 16 ans. Enfin, je veux dire. C'était des petits camarades, quoi. C'était gentil. Voilà. Comment ça va, Ellie? Oui, j'ai toujours les mots justes. Si je peux rassurer les gens, je peux. Je vais le faire. Là, je cherche la queue du dragon. Mais est-ce qu'il a une grosse queue ou pas? L'hôtel sur la queue. Genre la teuté elle est là. Mais est-ce que la queue... Ah elle est peut-être dans les profondeurs. Oh ah non. Attendez. Je vais aller voir là. Est-ce qu'ils auraient mis la queue dans les profondeurs? Est-ce que vous aurez mis la queue du dragon dans les profondeurs en fait? Ah. Oh merde, j'espère qu'ils l'ont pas mis dans les profondeurs parce que je suis pas encore allé. Je vais vous poser la question. Est-ce que la queue, elle est dans les profondeurs ou pas? Dites-moi oui ou non. Comme ça, je le sais. J'ai comme l'impression qu'ils auraient pu mettre la queue dans les profondeurs, vous savez, en... Non? Ok. Bon, ça aurait pu. Merci à vous, comme ça, je cherche pas pour rien. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Donc, elle est pas dans les profondeurs. Mais on est d'accord que la queue, je peux la voir, elle sort de quelque part, la queue. Genre la... Tu vois? On est d'accord. Genre, je vais trouver la queue sur un... Quelque part, un bout de sa queue. Parce que là, il y a la tête. Mais son corps, il est où? Il faut que je trouve sa queue. Elle est où la grosse queue du dragon là? Là il y a sa tête. Mais si c'était une queue? Parce que c'est quand même un dragon. Moi je pense que elle doit être par là genre. Oh là, il y a un miasme, je sais même pas. Ça mène où ce miasme? Je sais pas. Non, je parle tout seul, Malika. Tout va bien. Mais on m'a dit que si on voyait la queue. Où est-ce qu'on voit la queue? Où est la grosse queue? Ouais, je vais la trouver. Je sais pas. Mais là, je peux, genre là, je peux la voir sur la map.
Est-ce que je peux la voir? Genre ici je peux voir la est-ce que je peux voir la queue? Oui? Ok. Ça va Reda, tu vas bien? Ok. Bon. Je vais chercher ça. Et je vais chercher l'hôtel. Mais c'était ça. Hein. L'hôtel California. Mais où est-ce qu'elle est la queue? Moi je me demande s'ils ont pas mis ça. L'hôtel de la queue. Ça va Nimi meilleur que manga, ça va? Qu'est-ce qui. Alors, Nifiming, ils ne sont pas dans l'abus. J'ai pas vu ce que t'as écrit, mais si t'as fait des allusions salaces, ils ont le droit de supprimer. C'est pas parce que moi j'en fais que vous devez me répondre en faisant. C'est pas pour moi, moi ça me dérange pas, mais c'est pour le chat. Moi ça me dérange pas, j'en le fais. Mais il y a des mineurs aussi sur le chat, donc calmez-vous, calmos. Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est soit le lac, on va ici, là, on va au bout de la queue, là, du dragon, là, vous voyez, ici, ou, genre là, vous voyez là, le lac, ça forme un... Ah bah, si en plus t'es mineur, ne fais pas d'allusion du coup. Si t'es mineur en plus. Alors me dites pas surtout dans les commentaires. Mais je cherche. Je cherche. C'est quoi? L'hôtel de la queue du dragon. Je me dis soit ça est là, au bout. Tu vois, le bout de la queue, ou alors il y a un hôtel exprès, quoi. Moi ce qui me paraîtrait logique, c'est ce que je vous disais, de suivre le dragon là, vous voyez, c'est pas un dragon mais ça a une forme de dragon et on suit quelque part là. Dépose ensuite une offrande. Je vais essayer ça. Et si c'est pas ça, c'était mon premier raisonnement. On va essayer ça. On va tester. Alors non, Nefiming, si vous êtes mineur, on évite. Il faut pas le prendre mal si on supprime. Si on supprime vos commentaires, moi si je fais des... Je suis majeur. Si je fais des blagues interdites de moins de 18 ans, ils sont en droit de supprimer des messages, surtout venant de mineurs qui réagissent à mes blagues. On n'est pas chez Norman ici, donc on se détend. Vous pouvez faire des blagues autrement. C'est pas parce que moi je parle, je dis des trucs bite couille, voilà, pour rigoler, que vous devez toujours rebondir et faire des réponses un peu graveleuses ou un peu avec des sous-entendus. Les sous-entendus, vous les faites avec d'autres. Avec moi, j'avais pas besoin. Moi, je peux faire des sous-entendus, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais si mes modos vous disent c'est limite, c'est juste limite. Voilà, il faut faire avec. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour moi, hein. C'est surtout pour les gens qui sont sur le chat. S'ils estiment qu'un message est limite, que ce soit un spoil, que ce soit une mauvaise blague, que ce soit un truc de drague, si jamais vous cherchez à me draguer, si vous me cherchez à me faire un compliment ou des trucs du style « Ouais, j'en sais rien, moi, viens dormir chez moi, t'auras chaud !» Oh bon, on supprime. C'est tout, c'est juste que c'est pas adapté. Mais c'est rien, hein.
C'est pas grave. C'est vraiment pas grand chose. Juste on supprime et c'est tout. On passe à la suite. Non, c'est rien. C'est rien, j'ai pas vu les spoils. S'il y a des gens qui ont spoilé, j'ai pas vu. Mais moi, je pars du principe. On va aller là, là. Genre au bout de la queue. Enfin, c'est pas vraiment un... Bon, bref. C'est pas vraiment un dragon, mais bon. Oula! Oui, j'ai l'épée de légende. D'ailleurs, je l'ai pas prise. Salut, Anatole! Yunobo. Viens là, Jul! Eh, ça, c'est trop pratique, n'empêche. Quoi, juste pour du sel? Et des champignons? Oh putain, mais c'est nul! Oh là là, juste pour ça, là? Du sel et des champignons? Super! Surtout des champignons! Ça va et toi, Marie? Alors, Marie, alors que je connais très bien, on est en train de faire des quêtes principales, là. On est en train d'avancer dans... On est en train d'avancer dans l'histoire. Si t'as pas avancé, il se peut que tu te fasses spoiler. On est en train de faire la quête principale. Je sais pas où est-ce que t'en es, Marie, que je connais très bien. Attendez, je vais manger du poisson. Des pastas au champ à la crème. Oh! Salut Romain! Oh! Poisson! Bah. Ah, c'est pas le bon saut que j'ai fait. J'ai pas fait le bon saut, attendez. Il faut sauter convenablement. Regardez. Voilà, on plonge. Oh, ils abusent! Hein. Hey! Un saut, c'est un saut, hein! Un saut, c'est un saut. Hein. Ça va, Ellie? Oula, attends, je suis en train de me faire défoncer là. Je suis en train de me faire cuire comme un poulet rôti. Ouais. Bisous, Marie. Je le savais que t'étais pas très avancé. Gros bisous. Bonne soirée à toi. Ok. Et où le bout de la queue là? Il me saoule lui. Vas-y, mais meurs toi, je m'en fous de toi. Mais ah putain, mais je vois rien. Je vois R. Mais. Oui, dans tous les cas. Dans tous les cas, même les personnes majeures, ils font pas de Black Salas hein, ici. Hein. Non, encore moins, oui, quand on est mineur. Ah, c'est là, attends. Ah, je crois que j'ai trouvé, les gars. Attendez. Je crois que j'ai trouvé. Ouais, de fou, j'ai pris une châtaigne, t'as peur. Là, regardez, là. 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 Non? Oui? Il faut que je pose un truc que je sais pas quoi là. Je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr. Je pose là? Non? Ah, ça doit être là. C'est ici. Là. Ah, voilà! Ok, super! Parfait, j'ai réussi! Ah! Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup pour les GG! Oh! Ah.
Ouais, je suis une jolie licorne, Kazoo. Oh là là. Oh. Il y aura plus de pluie. Ah bon? Ah mais super! Ah bah il est là! Y'a quelqu'un à l'intérieur des ruines? Vas-y Thoras, fais-nous ton rire un peu là qu'on rigole. Fais-nous ton rire. Toi aussi t'es venu? Un terrible éclair est tombé sur cette statue de dragon, mais tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Eh ben c'est la première fois que je vois un éclair aussi énorme. Et avant que la foudre tombe, j'ai cru voir les yeux de la statue de dragon briller. Link, si tu sais ce qui s'est passé, je t'en prie, raconte-nous. Eh ben, il s'est passé beaucoup de choses. Ah bon? Oh, mais c'est incroyable! Une grande découverte! C'est la découverte du siècle! C'est une découverte magnifique, en effet! J'irai partir explorer tout ça au plus vite, mais nous avons aucun moyen de nous rendre dans le ciel! Ah, c'est sûr! Enfin, une telle découverte, il faut d'abord en parler à Dame Proua! Je vais retourner au village de Cocorico. Je vais rédiger un rapport à l'attention de Dame Proua, consignant tout ce qui concerne le vestige circulaire flottant. Toi, reste ici et poursuis les fouilles pour voir s'il n'y a pas autre chose à découvrir, s'il te plaît. Non. Que je reste ici? Tu veux dire tout seul? Oui. Même si on peut pas aller dans le ciel, il doit y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Mais notre mission est d'élucider tous les mystères qui se cachent ici. Je compte sur toi, Kali. Faire les fouilles tout seul? Putain, mais lui, il veut toujours être accompagné. Hein. Oh non, mais son rire. Oh, son rire, mais MDR. Mais c'est peut-être l'occasion d'accomplir quelque chose de grandiose. Oui, tu peux compter sur moi, Thoros. Et je vais commencer les préparatifs de ce pas. Pour ça, il faut que je retourne à la base d'exploration. Oh non, mais son rire, il me tue. Ça va, Julie? Ça va bien? Ok. Allez, c'est parfait. Ça, c'est bon. On va manger un petit peu. T'aurais une astuce pour battre la reine Gibdo? Alors, de faire beaucoup de plats. Tu fais beaucoup de plats et ça va t'aider. Fais plein de plats avant d'aller la choper là. Fais de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Ok, je prends ça. Poisson. Il est bowling comme ça avec sa tenue. Hein. Oh, vraiment beau gosse. Je dois retourner au village Cocorico. Ouais, j'en ai bien l'intention. Là. Voilà. Les boss, je les ai tous fait sans bouffe. Je suis mort contre aucun boss. Bravo. Je venais comme ça en tout cas. Bisous là où vous pensez. Bisous bisous. Team Vanille. C'est quelqu'un qui a posé la question. Vanille au chocolat? Ah non, c'est un pseudo qui s'appelle Team Vanille. Ok. J'avais pas capté. Qu'est-ce que je dois faire? On va lui parler encore. Oh, c'est toi. Bienvenue dans ma base d'exploration. La nouvelle île volante que tu as trouvée est une découverte incroyable. J'aimerais bien y aller l'explorer, mais je n'ai aucun moyen de me rendre dans le ciel. Je suis sûr qu'il y a de nouvelles découvertes. Je crois que certains n'ont pas compris. ouais. L'applaudissement quand je lis mon texte. Quand je suis là, je suis en train de donner de mon corps et pas que. On ne me coupe pas la parole. Raté cri cri. Alors qu'est-ce qui a
qui m'a coupé la parole. Oh, c'est Inata en plus. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait d'Inata? Je vais vous faire un sondage sur Twitch. Évidemment. Ban temporaire ou pas? Ban. Pas ban. Ok, vous avez une minute pour voter. Voilà. Je vous laisse faire. Vous le savez, c'est la règle. On me coupe la parole. On banne ou on banne pas. À vous de voter. Voyons si on va bannir Inata temporairement. Histoire qu'il prenne un peu de recul sur la situation. Histoire qu'il réfléchisse à ce qui vient de se produire. À vous de voter. Je demande la rédemption. Oui, c'est ça. Ouais, elle est ma sœur. Alors allez, encore quelques secondes. Il reste 30 secondes. J'ai voté ban. Eh ben c'est bien, Dylan. Le vote, qu'il soit positif ou négatif, reste ton vote. Allez-y. Voyons. Pour l'instant, on va dire que c'était une erreur. On croit à la rédemption. On verra. Moi, je suis neutre hein, dans l'histoire. J'ai voté pas ban malgré l'insolence. Ça marche, Kotaro. Moi, je reste neutre. Je vous laisse juger. C'est son cas. C'est son cas. Vous avez voté à 69% que Inata ne serait pas ban. Bon, voilà, tu as échappé au ban, Inata. Mais fais très attention. Fais très attention. Ouais. T'as jamais pensé à faire animateur? Bah, je suis un peu animateur, tu sais, Malika, en faisant du Twitch. Hein. Fais chier. Allez, on y va. Mais malheureusement, je peux rien te dire. De toute façon, nous n'avons pas terminé. Bonsoir, Léaï. Eh bien, il arrive au bon moment. C'est bien. Je dois saisir cette occasion pendant que je suis tout seul à faire des fouilles. Je vais découvrir quelque chose et je deviendrai une grande célébrité. Ok. Redescends. Redescends. C'est très délicieuse. Oh ouais, non, mais... J'en peux plus de ces gens pareils, là. Les gens qui se la pètent, là. J'en peux plus, toi. T'imagines même pas. Je suis en train de craquer. J'en peux plus. Quel sens du timing, hein. Comme d'hab. J'ai fait quoi pendant le live? J'ai fait de l'exploration. J'ai fait beaucoup de sanctuaires. J'ai fait des batteries. Là, je suis en train de faire une quête principale. Non, mais ça me déglingue. Bonne soirée, Nolan. À bientôt, bye bye. Passe quand tu veux. Alors, et des nouvelles îles célestes se sont révélées à vous. Donc, faut que j'aille dans le ciel. Les nouvelles îles célestes, ils parlent de ça, je suppose, qui ressemble à un dragon. Super. Ça va être... Encore chiant d'y aller. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? Non. Est-ce que je vais y aller? Bien sûr que oui. Comment? En oiseau. Est-ce que je sais maîtriser les cucuis? Bien sûr que non. Est-ce que je vais en chier? Oh que oui. Ah! Au pire, je prends la tueur. Voilà. Au pire, je prends. Ah, et il n'est peut-être pas assez grand. C'est au-dessus ou c'est... Attends, c'est où? Là. Je vois pas. Où est-ce qu'il est le truc du dragon? Ah, c'est là! Les sons de prout, ouais, c'est la vie, hein. C'est ça? Ah oui, je vais peut-être pouvoir réussir à y aller comme ça. Ouais, on a bien géré. Franchement, on a bien géré. Bonne soirée, Emily. Merci d'être passé. À bientôt. Gros bisous. Oh, regardez. Attends, calme-toi. Calme-toi, chérie. Mais calme-toi.
Voilà, on va prendre ça. Ah, oh là, oh là, oh là. On va prendre... Ouais, je change mes armes. Voilà. On va aller voir où. Ok. Donc là, je suis au bon endroit. Oh, bah c'est un nouveau truc. Non, pas besoin de supprimer, Nao, t'inquiète. Je le savais. T'inquiète pour ça, pas besoin. Hop là. Bisous là où tu sais. Bisous, bisous. Mais oui, Kazu, ne m'aide pas non plus là. Arrête de m'aider, Kazu. Sinon, si je trouve Cloud dans les cartes là, sur Discord, je te le donne pas. Tu l'auras pas. Bonne nuit, Altesse. Bon, bonne nuit tout le monde, à tous ceux qui vont se coucher là. Allez vous coucher là. Allez là, je vais pas dire au revoir à tout le monde un par un hein. Allez, bonne nuit tout le monde. Oh non, t'inquiète Nao. Ne le sois pas. Ouais c'est ça, allez vous coucher là. Oh, oh bonne nuit, bonne nuit. Est-ce que moi je dors? Est-ce que j'ai une gueule à dormir moi? Non. Bon, je pense qu'il faut que j'aille sur la teuté du dragon. Oh, il y a des statues Sonao. Non mais vous avez trop envie que tout le monde se fasse ban hein. C'est moi qui décide qui se ban ou pas là. Non, Nao elle va pas se faire ban. Elle a bien fait son travail. Elle a bien taffé. C'est juste moi qui lui ai dit que c'était pas nécessaire. Mais elle a bien fait. Ouais, c'est Cricri, fout la merde. Et Dylan? Cricri et Dylan, là, les deux, là. Ils vont se détendre la nouille, les deux, là. Bah, c'est passé quand même. Ah ok, bah, j'ai lâché mon truc, mais c'est passé. Alors par contre, il faut que je prenne mon truc de l'adhérence, là. C'est passé. Ah ok. Ah bah dis donc, j'y croyais pas. Hein. Ça fait du bien de péter des câbles, parfois on a tous besoin de se lâcher. Ouais, bah lâchez-vous ailleurs. Lâchez-vous chez vous. Genre, lâchez-vous chez votre mère. Moi, je suis pas un punching ball là et de. Non, mais. Si vous avez besoin de vous lâcher, allez faire du sport. Hein. Après, si vous dites lâcher, péter, bah allez, yâche un coup, hein, ça fera du bien. Allez faire un petit caca là. Je te jure. Jennifer et moi, on passe crème, c'est bon. Alors, est-ce qu'on banne, non, là, il m'a coupé la parole. Ban ou pas ban? Oui, non. Ok, hop là, vous avez une minute. Diego, on vote, désolé, c'est le jeu, Diego, désolé. T'as pas fait exprès, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. On banne ou on banne pas? Non, moi je suis... Oula. Voilà, c'est à cause de Diego! C'est à cause de Diego! Est-ce qu'on banne Diego? Ou on ne banne pas Diego temporairement? Il m'a coupé la parole et je suis très colère. Je suis très colère. Est-ce qu'on le banne ou on ne le banne pas?
Là, je suis très colère. Oula. Regardez la pop. En plus, j'en perds mon tronc d'arbre. Je suis très colère. Ils ont voté à 78% que Hugo serait ban. Alors, Hugo, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de quitter temporairement mon live? Hugo. Pff, c'est pas Hugo, c'est Diego. Hugo. Ouais, bah on va t'appeler Hugo. Hugo, est-ce que tu as un dernier mot, Hugo? Hugo, bah il s'appelle Diego en fait, faut suivre. En fait, il a changé d'identité dans la saison 3. Hugo. Est-ce que tu as un dernier mot? Je suis désolé, Flavien, bisous tout le monde. Allez, cette fois ça passe. Allez, tu seras pas ban. C'est bon. Oh, Cricri l'a vraiment ban. Oh. Bon, c'est 20 secondes. Bon. Alors, c'est moi qui décide qui ban ou pas, Cricri. On doit montrer l'exemple. Ok, alors regarde, je vais montrer l'exemple. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Et je vais montrer l'exemple, Cricri. C'est moi qui décide. C'est mon live, Cricri. Donc si tu veux foutre ta merde, t'as qu'à te lancer sur Twitch, Cricri, et tu t'appelles Cricri Gaming. Et t'arrêtes de nous emmerder. Ah là là, quel enfer. Pauvre Diego. Il va revenir. Ça va, Diego? To the richer a business? Voilà. Non, il a pas une dent. Il a pas une dent contre toi. Oh, vieille carte. Oh. Un nouveau trésor. Ça, c'est beau. Bah oui, il fait ce qu'il veut, Cricri, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il fait ce qu'il veut. C'est juste que, bon, c'est un chouïa ma commu, quoi, donc j'ai pas envie qu'il foute la merde. Mais c'est vrai que Diego, alias Hugo, l'avait mérité quand même. Donc, ça fait pas de mal. C'est 20 secondes. 20 secondes, ça paraît peu, mais... Non, ça paraît beaucoup, mais... Enfin, bref. Vous avez compris les bails. Je dépense plus mes navis dans ça, c'est mort. Oh. T'inquiète, on a tous droit à l'erreur. C'est pour rigoler, tu sais. C'est pour te taquiner. Parce que moi, je suis un mec qui taquine. Est-ce que je peux faire un... Ok, d'accord, on va pas le faire. Je suppose que le sanctuaire il est juste au-dessus. Ah bah je suis bête. On va aller voir ça. Ouais, c'est ton nouveau surnom, Hugo. Tu préfères Hugo ou Diego, ton vrai prénom? Je trouve que Hugo ça te va mieux. Est-ce que tu préfères ton vrai prénom ou Hugo? La question de merde. La question de merde. Tu préfères le prénom avec lequel tu as grandi depuis toujours? Ou tu préfères Hugo, un prénom que je viens d'inventer pour toi il y a à peine 2 minutes? Dis-nous tout. Histoire qu'on soit sûr. Et je vais où là? Là il y a un hôtel, ok. Tu préfères Diego? Ok. Bon, comme tu veux. Bon, je vais t'appeler Diego. Ça va, tu l'as pas appelé Pedro? Ouais. Ouais, carrément.
Mais je préfère... Je préférais quand même Hugo, mais bon. C'est toi qui décide, hein. C'est ton prénom après tout, hein. Enfin... T'es un peu difficile. Et là, je suis dans la merde, non? J'aurais pas dû sauter. Comment je fais pour aller là-bas? Comment je fais pour aller là-bas, là? Je crois que je suis dans la merde. Merci beaucoup pour le follow. Merci à toi. Merci à Nîmes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher le follow Twitch si c'est pas encore fait. On est bientôt à la fin du live. Et ben voilà, merci. Merci Mila. Merci Mila. Alors je ne peux pas dire comment j'ai fait pour enlever la tempête. Parce que c'est dans la quête principale et ça peut spoiler des gens qui débarquent. Donc je ne dirai pas. Mais comment je fais pour... Je dois repartir là et sauter jusque là. Mais ouais, Cricri, il y a encore des gens qui sont pas abonnés à mon Twitch. Hein. C'est quand même... c'est quand même indécent. Je veux dire, ça fait... combien de temps que je suis là, 8 mois 8 mois, 9 mois, je sais même plus. Que j'ai lancé la chaîne. Et il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, quoi. Moi, je trouve ça honteux. Clairement, il faut dire les choses. Je trouve ça honteux. Mais bon. Alors que moi, je suis là, je donne du mien tous les jours. Je donne de ma personne. Je prends des risques. Il y a des gens qui sont pas abonnés. Il y a des gens qui regardent mon live sans être abonnés. Non, mais je suis complètement choqué. C'est complètement honteux, ouais. Ouais, c'est honteux. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? La vie est... Oh, j'avais jamais. La vie est pleine de péripéties, vous savez. La vie est pleine de tourments, de choses négatives, de déceptions. Vous savez, la vie, ce n'est pas que un rêve. La vie, c'est aussi beaucoup de désillusions. La vie, c'est beaucoup de déceptions, de cauchemars. C'est également beaucoup de choses qui nous font mal et qu'il faut accepter. On doit accepter la douleur. On doit accepter les choses négatives. On doit accepter toutes ces choses qui nous font mal. Attends, je dois passer par là. Ok, je dois faire un truc. Ok. Il faut que je fasse un... Il faut que je fasse une petite construction. Je me fais niquer par un moustique. Aïe, ouais, ça les moustiques, ça... Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, c'est chiant, ça, les moustiques. Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de ban supplémentaire. C'est moi qui gère. On banne personne. On ne banne plus personne. C'était une boutade. Une boutade. Attends, je vais faire comme ça. Je sais pas si ça passe. Non. Oh là là. Oh, mais quelle misère. Voilà. Bon, bah, dis donc. Eh ben, il a du mal à passer ce cassoulet, hein. Ouh. C'était pas évident.
Comment je fais pour... Je veux juste le tourner, je peux pas faire ça? Ah, ah là, c'est bon, ça passe. Ok. Ok. Il me faut ça. On va mettre un là. Et on va même là. Fabien, je dois partir, mais avant, j'aimerais vraiment que tu me dises poisson, s'il te plaît. Poisson! Je pense que je peux pas être mieux en termes de timing. J'espère que ça te plaira, cette réponse, Kamada, et que tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Voilà, je crois que en termes de timing, on n'a jamais fait mieux. Bonne nuit à toi, en tout cas. Et poisson, ouais, poisson. Quelle heure il est ? Vivement que j'aille me coucher là. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oulala, pourquoi ça se passe jamais bien là? Oh là 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 là! Ok. On est pas mal. C'est beau comme construction, hein. J'aime bien. Est-ce que je peux pécho comme ça? Non. Oula, attention! Il va y avoir de l'électricité! Attends. 1, 2, 3. Hop. Parfait. Lance-foudre. Impeccable. Là, il y a le sanctuaire. Regardez, il y a un sanctuaire là. Est-ce que ça peut passer si je fais ça? Oh non! Aïe, 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 j'ai le trou de qui baille. Oh, fais chier. Oh, je retourne où, là? Mais comment je fais, maintenant? Oh, attends, je suis perdu. Ah là, il y a un truc. Mais non, je peux pas. Oh, est-ce que j'ai des plateformes? Oh non, c'est pas ça. Je suis dans la mer. 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 Comment je peux faire? Oh là là. Mais ça marchera jamais. Pour aller jusque là-bas. Oh non, je peux pas faire ça. Ça ne fonctionnera jamais. Oh mais quel enfer. J'ai envie d'essayer. Vous le savez, moi je fais des trucs qui n'ont aucun sens. Oh là 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 là. Ok. Vous voyez genre. Mais non, mais c'est il faut vla les arbres. Oh. Ça passera jamais ça. Vous voyez ce que j'ai envie de faire? Genre d'aller là et de faire le. Mais ça passera pas.
Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais comment je fais? Attends, faut que je remonte là et que je refasse tout. Oh, la mission. Oh, mais quel enfer. Mais quel enfer. Ça va être ultra long. Ouais, non, mais l'idée de merde. Hein. Oh non, mais c'est super long, là. Mais quel enfer. C'est quoi ces îles célestes, là? C'est trop l'enfer. Puis ça glisse partout, il pleut. Oh là là là. C'est pénible, hein. Ouais, non, dis rien, Kazoo. Mais quel enfer. J'ai envie de crever. Oh là 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 là. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Quoi, je dois refaire tout le tour, là? Bah non, mais attends. Comment je fais? Le rail. Attends, je dois aller là. Oh, mais c'est grave loin. J'ai un peu la flemme, là. Oh. J'ai pas un truc qui peut me faire monter? Est-ce que je peux utiliser un oiseau? Et de le faire voler quelque part et on n'en parle plus? Mais c'est horrible. Attends, je vais retourner là. Merde. Je vais retourner là et je vais faire un oiseau, il vole et on n'en parle plus, non? Merde. Ah ouais, faut que je refasse tout. Oh non. Non, île céleste. Céleste. Oh, c'était de quel côté? Je vais prendre un peu plus de... Je vais prendre un petit peu plus de hauteur. Oh merde, oh merde, oh non 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 non. Oh putain, mais j'ai pas de chance. Oh, j'ai pas de chance. Et je retombe encore. Oh merde. Bon, je crois que les îles célestes, c'est pas pour moi ce soir, hein. Je crois qu'on va arrêter là. Je crois qu'il va me faire passer un message. Ça veut dire arrête-toi là et reprends la suite. Parce que là, il est en train de me dire va te faire foutre là, hein. Bon, allez, on va s'arrêter là. Allez, c'est bien. Parce que là, clairement, je n'y arrive point. Bon, allez, c'est bon. On s'arrête là et on continuera avec plus de fraîcheur et plus de positivité. Parce que sinon, je vais éclater ma manette. Bon, c'était bien cool en tout cas. Avant de partir, évidemment, on va faire un petit raid des familles. On va faire un petit raid à Flavien Yaqua, évidemment. Mon cher Flavien Yaqua qui s'est lancé sur Twitch. Je compte évidemment sur vous pour le booster, aller lui donner un maximum de bienveillance. C'est un ami, créateur de contenu, et il le mérite, donc n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas d'avoir été là pour le live. Tears of the Kingdom, demain on se retrouve pour un nouveau live évidemment. Nous allons jouer à un jeu multi qui s'appelle Grounded, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et puis merci infiniment d'avoir été présent, actif sur le chat, TikTok et Twitch. Merci à tous ceux qui regardent en replay. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye.